Pas forcément dans cette ordre. J'ai pas mis le pas que à temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le son est correct parce que je me suis un peu battu afin que ce soit fonctionnel. Et je regrette vraiment de ne pas avoir cliqué sur ma tablette pour switcher le visuel 2 secondes avant parce qu'il s'est dit des choses en off qui sont quand même dramatiques. C'est absolument honteux. Je tiens à le signaler. Bref. Nous sommes de retour comme chaque lundi, à l'exception faite de lundi dernier. Petites excuses de ce côté-ci, mais voilà, la santé, vous le savez, c'est délicat. En attendant, toujours bien accompagné. C'est Jared qui va le contredire. Exactement, on a une petite pensée d'ailleurs pour Jared, pour le coup, qui n'est pas dans la meilleure des formes, mais qui s'accroche. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Have a nice recovery, Disc Commando, if you by any chances get over here. Take care of you, please, lad. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler en anglais. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. je ne sais plus à quelle heure j'habite. Bref, nous sommes en bonne compagnie ce soir, la Trad Team, toujours présente, puisque nous avons Silky, Naël et Darn, les indécrottables. Et salut tout le monde. Bonjour, et toi-même hein, que... Parfaitement. Non, sois tout présent. Et nous avons parmi nous ce soir un invité plutôt calme, de nature, que nous n'avons jamais vu dans cette émission. C'est pas du tout sa 4e fois. Nous avons Dayoum, tout en cheveux. Comment bonsoir. Oh putain la vache. S'ils sont incorrects, t'as défoncé des tympans, hein, je tiens à le signaler. Il faut bien commencer par quelque chose. Je fais des tests, je teste la qualité de ton audio, voilà. Exactement. Je la mets au défi, moi. Moi, ceux qui ont des tympans, comment est l'audio? Voilà, n'hésitez pas à nous dire hein, si jamais vous n'avez pas des acouphènes en train de vous défoncer les oreilles. Voilà, ce sera toujours bon à savoir. Heureusement, je n'étais pas collé à mon micro. Exact. De notre côté, bah écoutez, on est toujours dans l'attente, bien sûr, de la sortie d'un Calling All Dev, mais comme vous la voyez, chanceuse. On est prémunis. On est toujours dans l'attente. Non, c'est rien. Que quoi? Vas-y, assume cette blague. Non, je suis pas d'accord avec cette blague. Non, si. Moi, je ne l'ai pas entendu correctement. J'étais en train de parler. Ah. Assume. J'ai entendu l'attente et référence avec une tente. J'ai juste dit la chanceuse parce qu'on est dans l'attente. Ah, ouais, oui, non. Alors, on n'a pas pensé aux mêmes tentes. Pour moi, elles se déplient. Voilà, moi aussi, donc je propose qu'on évite de ne pas sponsoriser par Quechua. Il va falloir être plus précis, Voilà. Ah, mais quand il y a plusieurs mots aussi, ouais. Conneries de synonyme. Ouais. Tout le monde sait que c'est bien connu, il faut toujours faire gaffe quand on plante la tente. Sur ce trait d'esprit, donc, hein, nous sommes dans la tente, bien sûr, tais-toi, de ce Calling All Dev. Il sortira peut-être avec un peu de chance, mais nous sommes équipés. Hein, on attend. Nous sommes équipés puisque nous avons ici un Dayou. Voilà. Nous savons que nous pourrons meubler correctement grâce à lui. Dayou, qui d'ailleurs, sachez-le, il ne lui manque plus que 14 abonnés à sa chaîne YouTube. 14. Donc le défi de ce soir. Pour atteindre combien, Dayou? 20 000. 20 000 abonnés, nom de Zeus. Écoutez, 20 000 brozo, ça commence à faire. Ce qui est un nombre qui est mieux que 19 999. C'est clair. Mais moins bien que 20 001. C'est donc on vise 20 001 ce soir. Eh bien écoutez, on vise 20 001, c'est le défi de ce soir. Je vous ai envoyé le lien YouTube de sa chaîne, je vous invite à y aller et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à consulter ses vidéos si vous avez un petit peu envie de triper autour de Star Citizen et autour de la spéculation de manière générale parce que il fait ça tellement bien et il fait ça tout en cheveux, contrairement à Silky. Donc, profitez-en. Pardon, c'était gratuit. Une fois sur 15, des fois, je dis des trucs qui arrivent. C'est pas mal. Ouais, c'est un bon ratio. Non, c'est mieux qu'un le success rate est pas mal. Quoi. C'est mieux qu'un homme politique. Hein. ou qu'un Derek Smart. Mais bon. Et tant qu'on parle pas de lui, tu le fais pas vivre. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. De notre fil de troll. Bref, sur ce, on a le tour des news à faire parce que pour le coup, on a 2 semaines à rattraper. Et je tiens à faire un petit merci pour le coup à Lubiway dans le chat qui m'a fait des merveilles avec un petit Trad Team News derrière les fagots, absolument parfait. Quoi, le bottin qu'il y a derrière toi là? Exactement. Quel bottin? Celui qui est sous tes fesses. Non, il y a un chat en position très mignon à la rigueur. Un chat? Ouais. Montre le chat, ça fera plein de viewers. Ouais, Elle est en mode KO, la pauvre. Sur ce, vous savez quoi, pour une fois, on va peut-être même faire un Trad Team News dans l'ordre chronologique. C'est assez exceptionnel pour être noté. Incroyable. Donc, depuis le 5, il y a en effet 2 semaines à courir, nous avons traduit et intégré, du moins Silky a traduit et intégré, le panel de la sitcom de 1948, Road to Release.
Elle a été publiée, bien sûr, sur notre chaîne YouTube en VOSTFR. Un gros morceau, si je ne m'abuse, Silky. C'est le plus important. Oui, 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 tout à fait. C'est le plus important. C'est l'information que j'ai pas rêvé dessus. Ouais. Ouais, il était vraiment, vraiment très, très chouette. Il récapitule vraiment très, très bien tout ce qui s'est passé depuis le début du développement. Mm-hmm. Les grosses. Les grosses étapes qui ont vraiment ponctué le développement, les grosses étapes techniques surtout, qui ont ponctué le développement et qui ont permis d'en arriver là où on en est. Et alors évidemment, on a aussi les prochaines grosses étapes, ce qu'eux appellent les piliers, il y en a 12. A priori, il en reste 2 ou 3 à battre. Donc là, le plus gros est fait. On est définitivement sur la avec l'OCS, très bonne voie. Oui, c'est ça. Persistance complète et serveur meshing. Dès qu'on a ça, plus jamais de wipe et les vaisseaux qu'on achètera en jeu seront pour toujours sur notre compte. Exactement. On n'aura pas tous les systèmes, pas forcément tous les métiers, mais ce sera la petite release à mes yeux. Oui, mais c'est ça, c'est complètement ça. Exactement. On peut enchaîner derrière directement avec... Alors, il y a toute une série de patch notes. Ouais, bon. On va peut-être épiloguer par rapport à ça. Mais il y en a une quantité absolument astronomique, vous l'avez peut-être suivi de ce côté-ci, puisque le PTU de la 3.3 a été quand même bourré d'une quantité de patch notes suffisante pour qu'on atteigne AF quand même, hein. Soit relativement, attendez que je fasse le calcul, 27, 28, 29, 30, 31, 31 patch. Ouais, mais c'est pas une science exacte, à une vache près, quoi. C'est ça, donc bon, c'est... d'actualité, mais plus ou moins, parce qu'au final, la 3.3.5 est en PTU. D'ailleurs, à titre informatif, le PTU est en vague 5, donc ça veut dire que tous les backers ayant injecté de l'argent dans le jeu, si vous avez reçu le jeu de manière giftée, sachez que ce n'est pas valide. Je l'ai découvert un petit peu à mes dépens pour deux amis. Mais bref, le PTU est en vague 5, donc tout backer a techniquement accès au PTU et à la 3.3.5. Gardez en mémoire que c'est un PTU et que c'est toujours un peu plus buggé que le live, même si à l'heure actuelle c'est un plaisir parce que c'est quand même assez stable. Et si vous voyez une moto dans le métro, laissez-la sortir avant de rentrer, c'est la politesse. Ou un Grey 4. J'ai vu un Grey 4 dans le métro, c'était très sympathique. Ouais, je crois que Toonie a réussi à mettre un Grey 4. C'est ça. C'est plus facile que le Dragonfly, les deux sont durs à mon avis. Ok, ne pas rebondir là-dessus. Merci. Donc bon, les patch notes, on a eu une tétra palanquée, on va faire ça en bref, dans l'ordre et vite fait. Donc le Z a été traduit et par Lubiway, relu par Silky. Le non mais t'embête A1... pas, t'embête si. Pas, il y en a beaucoup trop quoi. Si, mais je l'ai fait, moi je suis... Il y a eu beaucoup de patch notes. Si, si, mais t'inquiète pas, tu vas voir, c'est très très bien prévu, parce que Lubu a très bien fait les choses. Le AA, donc le double A, et non pas Techonomy. Voilà, j'allais dire. Merci, a été traduit par Crimée, relu par Silky et Lubu. Enfin, les AB et AC ont tous deux été traduits par Silky, relus par Fougère. AD, AE et AF ont tous les été traduits par Lubiway et relus par Silky. Bah, c'est quand même plutôt bien fait et vite fait. On enchaîne donc, on revient un petit peu en arrière, flashback, avec le QNR du Valkyrie. Si vous avez des questions à vous poser par rapport à ce joli bébé, qui est d'ailleurs un régal à piloter, vous trouverez ça directement sur le site starcitizentraduction.fr ou sur le lien que Silky vous a mis dans le chat, pour le coup. Donc il a été traduit par Lubiway et Olf, relu par Silky, Lubu et Olf, ce qui sont multitâches. En date du 7, nous avons également sorti le 7 semaines sur Star Citizen, mais bon, il y en a deux pour le coup. Le numéro 100. C'est le numéro C'était 100, le centième. C'était le centième qu'on ah a oui, sorti, quand même. Oui. Hey, quand même. C'est pour ça que je... Oui. Ah ouais, ouais, non, là j'avoue que pour le coup, costaud. Mais, on a quasiment... même pas fait péter le mousse d'ailleurs. Non. Non, non. Même pas de champomis. Mais on peut pas. Non, on n'a toujours pas de 890 jumps de fonction, laissez tomber, c'est une peine perdue. Voilà, voilà. Ouais, mais s'il n'y a pas de champomis dans mon 890, je vais être déçu, hein, je te le dis tout de suite. Ah bah t'auras du jus de pomme. Tu le feras frelater sur la puits de fenêtre et voilà. Puis c'est ça. Mettons. Donc ce patch, j'allais dire, cette news a été traduite par Lubu et relue par Silky. S'en est suivi derrière de la newsletter hebdomadaire, également traduite par Lubu et Silky. Il y a du volume pour deux semaines, hein, je vous le dis. Et derrière, on enchaîne avec le MR, le Monthly Report sur Squadron 42, que Silky a relativement défoncé comme un grand tout seul, à en perdre les cheveux. Quel homme. Benjamin. Voilà. Peut-être arrêter les blagues sur le capillaire, je suis désolé. Ça, c'est glissé. Oh, j'ai nettoyé mon arme, le coup est pas. Bon, voilà, j'ai abandonné. Ok, d'accord. Mais bref, le MR sur Squadron 42 a été traduit donc par Silky. Pareil, si vous avez des questions à vous poser sur le développement de Squadron 42, c'est là qu'il faudra vous rendre directement. Alors par contre, je précise que en fait, le MR de Squadron 42, c'est la copie conforme de la newsletter
Squadron 42 qu'ils envoient en mail, qu'on avait déjà traduit précédemment. Ah ouais. Mais que du coup, on a republié, remis en page, et enfin voilà. Donc, d'accord. C'est, je n'ai fait que refaire la mise en page du truc qui avait déjà été fait. Donc voilà. Ok, très bien. Ça facilite quand même un petit peu les choses. Un petit peu. Sur ce, on peut enchaîner avec le patch note de la 3.3 live, bien sûr, parce que bah, la 3.3 est sortie il y a quoi, même pas une semaine et demie, à tout péter. C'était le 11 que le patch note est sorti, en tout cas qu'il est traduit pour nous. Donc patch note 3.3 live, traduit par Yuryu, relu par Silky Lubu et Maelstrom. Pour le coup. Et c'est pas fini, c'est strictement pas fini. On enchaîne derrière avec une vidéo, puisque le lore maker sur Ozo a été traduit et intégré par Darn. Présent et relu par Lubiway. S'ensuit. Oh là là, c'est interminable. 2 semaines à résumer, c'est. Travaille trop, les gars. Ah non, mais on a du rab, et encore, t'as pas vu les articles en cours ou les vidéos en cours. Hein. On vous l'avait dit, hein, y a eu la pause de l'été, maintenant c'est coup de collier. S'ensuit donc le patch note de l'alpha 3.3.5. PTU, premier du nom, traduit par Silky et relu par Fougère. On y vient. La 3.3.5 est présente sur le PTU, on a leur ville, et nom de Dieu, c'est beau! Bon sang! Moi, j'ai rarement autant martelé ma touche imprécant système, personnellement. Ah, tout le monde. Ah ouais, non mais. C'est assez dingue. À tes souhaits, le chat, je sais pas si vous l'avez entendu. Assez souhait. Et on s'en remet. Voilà. Oui. Par contre, tu as un connection error, mon petit oui. Kiro. Un connection error. Il est un peu triste, le. Oui, le monsieur, il est tout triste. Oh, dis donc! C'est pas très gentil ça. Oh bah du don. Heureusement que vous êtes là. Hop. T'as vraiment fait une référence à Bourriquet là ou... Bon, bah non, ça sera effacé au montage. Exactement. Hop, le temps pour moi de régler ça vite fait, bien fait. On n'a rien vu, tout est beau, tout est propre. Alors, regardez, c'est magique, ça brille en plastique. Voilà, c'est fait. Hop, t'as vu, t'as même pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour meubler. C'est absolument parfait. Professionnel, messieurs, dames. Tu allais dire, c'est incroyable. Donc, tu allais en arriver à la connaissance du bien et du mal, partie 4. Affirmatif. C'est exactement ça. Voilà. Connaissance du bien et du mal, partie 4, donc traduite par Lomelinde, toujours infatigable à ce sujet, relu donc par Silky Nile et par moi-même. Pour a priori, le Calling Gold Dev vient de sortir, je viens de recevoir une notification. Mais c'est-il pas parfait, ça? Voilà. Et pour la connaissance du bien et du mal, sachez quand même que donc, c'est une nouvelle qui a été entièrement traduite par Lomé, ouais. Avec, on l'a déjà dit, mais avec des grosses parties de langage, on va dire pseudo-créole, qui ont été recomposées, enfin... L'ONES a vraiment souffert, a sué sang et eau pour réussir à sortir c'est ça. Battu. C'est clairement en battu. Sachant qu'il y a quand même 25 000 mots, donc l'équivalent d'une cinquantaine de pages. Donc, c'est touffu. C'est touffu. Et du coup, ben, voilà. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, ça vaut vraiment la peine. L'histoire est très très chouette et l'ONES a fait un travail de fou dessus. Donc, complètement. C'est absolument excellent. Personnellement, j'ai juste fait du coup la relecture de la partie 4 et peut-être même de la partie 3, je ne me rappelle plus exactement. Mais l'histoire est prenante, en fait. Vraiment prenante, pour le coup. Et en termes de travail, de traduction de l'argotique, enfin de l'argot, pardon. Mais c'est, pardon mon expression, mais clairement déchirer les fesses. Bien comme il faut, quoi. Hop, je vous envoie tant que j'y suis, messieurs, dans le lien Discord. Hop, le lien pour la salle. Together Tube, ensemble tuyau, comme il y a quelqu'un que je connais ici. Ça vend du rêve quand même. N'est-ce pas? Et de mon côté, je vais pouvoir enchaîner. Une fois par semaine. Tiens, c'est marrant ça, je suis en train de percuter que Firefox ne me met pas de son. Ça risque peut-être de compliquer un peu la vie. Comment se fait-il que Firefox ne me met pas de son? Pas d'accord. Du coup, parce que bon. Pardon. Vous voyez le Silky qui ressort le fouet là de suite. Ah, hein, directement là. Ça ne pardonne pas. C'est intolérable, voilà. Il n'y a pas de tolérance. Sur ce. Complètement. Donc. Complètement. Nous pouvons enchaîner avec un nouvel épisode de cette semaine sur Star Citizen qui aura cette fois été traduit par Ildensen, relu par Silky Nile et moi-même. Avec, directement derrière, le cadeau aux abonnés de novembre 1948. Relu par Silky, traduit par Silky et relu par Fougère. C'était l'armure Venture, non, il me semble. C'était les pantalons, je pense. Ah, peut-être.
je me souviens voilà. Pas exactement. Pantalon, de l'armure en l'occurrence. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu, il y avait les bracelets, enfin les bracelets. Oui, il y a eu cette tête, épaule et genoux, pieds, de toute façon. Donc ça. Voilà. Ça, c'est ça. Hop, on enchaîne derrière avec un nouveau patch note, cette fois pour le PTU, pour la 3.3.5C, traduit par Silky et relu par Fougère. Et derrière, une nouvelle fiction, Far From Home, les meilleurs plans, traduit par Yuryu et Maelstrom, relu par Silky, Lubu et Yuryu. Qu'est-ce qu'elle est chouette. Enfin, moi, c'est ma préférée. Je ne l'ai pas. C'est ma préférée de fiction. Ah ouais. Ah, en fait, alors pour la petite histoire, c'est 36-15 raconte ta vie. Vas-y. Mais c'est le texte de test que j'avais reçu pour rentrer à l'époque dans l'équipe de traduction de SCFR. C'était un Far From Home, en fait. D'accord. Et ouais. Premier texte que j'ai traduit de Star Citizen, c'était un Far From Home. Et ouais, ben voilà, rien à faire. C'est resté un petit. Un petit favori, et quand on regarde la popularité des fictions, donc le nombre de fois où les pages sont vues, par exemple, Far From Home chez nous est très très bien, très très bien classé. D'accord. Voilà. C'est plutôt bon à savoir. Et mon problème de son est réglé. Grâce à la magie du doublage. On enchaîne derrière. On part d'un bon texte pour enchaîner sur un peu plus de technique avec le patch note 3.3.5D, traduit par Olf et relu par Silky. Ainsi que deux autres textes plutôt sympathiques, puisqu'il s'agit relativement de la vente anniversaire et des détails de la période de vol gratuit. Très important, on va y revenir très rapidement d'ailleurs après les news. Oui. Parce qu'on a des petites choses à vous informer à ce sujet, enfin à vous dire, qui pourraient vous plaire. Ce texte donc sur les ventes anniversaires a été traduit par notre cher Tarquin de l'Ombre et relu par Yuryu. Et derrière, je vois que ça a été rajouté, est-ce que j'en parle maintenant ? Un certain guide en parle le jeu maintenant, Ross. Alors non, derrière il y a le portfolio sur l'exposition aérospatiale intergalactique. Il y a eu un patch note même encore entre temps. Oui, bon, les patch notes. Bon, voilà, 3.3.5E, le patch de l'instabilité et des erreurs 30 000, certains s'en souviendront peut-être, traduit par Yuryu, relu par Silky et Olf. Et donc, comme le disait Silky, le portfolio sur l'exposition aérospatiale intergalactique, traduite par Maelstrom, relu par moi-même et Silky Nael, du coup. En sachant que l'expo en question, c'est le contexte roleplay qu'il y a autour des ventes anniversaires, en fait. C'est ça. Donc c'est l'équivalent du salon de l'auto ou du salon du Bourget, mais... C'est ni plus ni moins que l'explication diégétique de la vente anniversaire. Quelque chose qu'on devrait avoir en jeu un jour. Ben, oui, final, complètement. Oui. Complètement, ouais. Et là, ce sera bien. Ah, ce sera tellement classe. Parce que j'ai fait le salon de l'auto une fois cette année, pour la première fois, avec les vaisseaux dans un jeu, ce sera encore mieux. Parce que t'auras moins mal aux jambes. Ah oui, un peu plus au poignet peut-être. En effet. Non mais non. Bah, s'il y a des beaux vaisseaux, oui, non, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu fais de ton poignet. Bah, élastique des vaisseaux pour éviter les traces de doigts, bien sûr. Mais évidemment, intérimaire quand même. Du logis sur les vaisseaux. Exactement. Vous êtes mes villes. Ville broquin. En tout cas, il y a d'autres infos full spoiler qui viennent de sortir là. Oh là là. Aïe 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 aïe. Moi je me spoil, mais si vous voulez pas, vous spoilez pas parce que. Il y a peut-être du lourd. Y a peut-être par du leak, lourd. Par data mining, j'imagine. Oui. Les enfin, gens ils veulent fouiller quoi. Bah bien sûr. On enchaîne donc avec la patch note 3.3.5F. Patch note de la stabilité, du coup, pour le PTU, traduit par Yuryu, relu par Silky. Derrière, la newsletter hebdomadaire, traduite par Maelstrom, relu par Silky, Yuryu. La lettre du président, particulièrement importante, puisqu'on a atteint, vous le savez sans doute, le cap des 200 millions sur le financement participatif de Star Citizen. Chris Roberts, donc, pour l'occasion, s'est fendu d'une lettre adressée à tout contributeur ou toute personne qui suit le projet Star Citizen, que je vous conseille donc vivement de lire, parce que ça fait plaisir, pour le coup. Lettre qui a été traduite par Arma, relue par Silky Nael et Lubu Wei. Et si je peux me permettre, cette lettre est importante dans le sens où Chris Roberts a rementionné la roadmap pour Squadron 42 qui sortira en décembre. Oui, c'est très juste. Si jamais elle ne devait pas sortir comme ce qui aurait pu arriver dans le passé, ce qui est déjà arrivé, il ne l'aurait peut-être pas rementionné. Non, en effet. Donc, ça s'annonce bon pour qu'on ait vraiment la roadmap Squadron 42 en décembre à mes yeux. Et ça, c'était la meilleure partie de la lettre pour moi. C'est vrai que ça ne peut faire que confirmer pas mal de soupçons que les gens pouvaient potentiellement avoir. En effet, ça aurait été une grosse erreur. On s'est déjà fait avoir une fois avec cette roadmap. Hein. Ah, complètement, oui.
Derrière, nous avons une nouvelle vidéo, pour le coup, la conférence Donner vie grâce au, au contenu, pardon, grâce à la physique. Elle a été publiée d'ailleurs tout récemment, si je dis pas de bêtises, monsieur Silky. Là, ce soir, là, pouf voilà. Pouf, à 18h. Traduite et intégrée par Darn et relue par Lubiway. Un bon, 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 bon gros morceau, genre permissilable correct, pour le coup. Je l'ai pas vu, mais Silky nous a fait un petit topo. Il y a des trucs extraordinaires à voir. Le détail de quand il lâche une espèce de bâche au-dessus d'un M50 et qu'on voit que la bâche s'adapte complètement aux formes du M50 et qu'on voit que quand le M50 allume sa moteur, la bâche est projetée sur les pauvres techniciens derrière, c'est très très drôle. Que tu vois que la bâche peut avoir des collisions avec elle-même. Avec elle-même, elle se replie sur elle-même, c'est extraordinaire. Et puis même le moment où il enlève le M50 et où elle s'enlève au fur et à mesure. Ouais, ils peuvent régler la friction et tout ça, c'est... Ça va être... C'est vraiment impressionnant. Il faut voir cette technique. Fait... Ouais, vraiment. Si vous avez pas beaucoup de temps... en termes de technologie, pour vous donner une idée d'à quel point le jeu est fou, cette conférence-là, elle est bien. Elle est vraiment bien. Et puis il y a plus d'images que dans celle de Tony Zurovec, donc bon. oui, ça c'est un peu moins de chiffres aussi. Clairement. Est-ce que certains, il me semble, parce que je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu, type Hugo Lisoire notamment, et Roxy Larotul, qui se sont amusés à faire un suivi supplémentaire et un résumé des conférences. Est-ce qu'elle a été résumée, celle-ci, ça, vous le savez peut-être ou pas ? Pas du tout. J'ai pas tout suivi, je t'avoue. Ok, my bad, moi non plus. Sur ce, temps, hein. Nous avons maintenant fait le tour de ce qui est sorti, mais nous avons des choses en cours. Et il y en a pas mal. Nous avons trois panels de la sitcom qui sont encore dans les fourneaux de l'équipe, dans les fourneaux de la Trad Team, puisque nous avons donc le premier Biome on the Range, en traduit et sous-titrage en cours, pardon, traduction et sous-titrage en cours, du coup par Darrow, qui avance bien comme il faut dessus. Lomelinde est également à la charge d'un des panels, pour le coup elle est à la traduction et au sous-titrage avec une relecture par Lubu. Le panel qui en question s'appelle, vous appelez ça un couteau ? Point d'interrogation. Donc... Étrangement, c'est sur le mec que ça tombe, quoi. Étrangement, en effet. Si ça avait été You Call That a Grenade, à mon avis, on n'avait pas le choix. Voilà. C'était on lui donnait. Voilà. Tiens. D'ailleurs, c'est Chris Roberts qui se pointait. Bonjour, tu vas traduire ce son. Allez. On en est à un stade de toute façon où s'il s'agit d'explosifs ou de Banu Merchantman, si c'est pas l'homme qui est dessus, elle devient dangereuse. Donc voilà, il en va de l'intégrité des membres de l'équipe à un moment que d'apprendre à être négociateur par rapport à tout ça. Enfin, troisième panel pour le coup, The Art of Digital Illusion, traduit et sous-titrage, enfin traduction et sous-titrage en cours, pardon, par Darnounet. Ce qui est très bien aussi d'ailleurs, un peu moins visuel que l'autre, mais qui est très intéressant. Yep. Ilky, tu allais dire quelque chose, je crois. J'entendais que ça fredonnait. Illusion. Oh putain. Et ouais, j'étais pareil. Je l'avais pas. Je l'avais strictement pas. Il n'y a rien à dire en fait. Ceux qui ceux qui savent, savent. Un conseil, dans ce genre de situation, vous avez deux possibilités. Soit vous vous taisez pour vous murer dans le silence afin de ne pas encourager la personne qui fait ce genre de fumble. Soit l'autre astuce qui n'est pas si neutre que ça, mais qui est très efficace, consiste à hocher la tête en faisant mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Je peux faire ça marche bien aussi. Adayoum le fait bien. Ah oui. On enchaîne avec les articles, un seul. Mais un gros. Phantom Bounty, la prime fantôme, partie 2, est en cours de traduction par Elden Sen. Non, en cours de relecture même. Par Olf. De relecture, oui. Voilà. Et donc sous sortie imminente en attente de sa repasse finale. Et enfin, et pas des moindres, on part sur les vidéos, parce qu'après tout, c'est Lubiway qui m'a fait ce Trad Team News, donc c'est un peu le papa de la partie sous-titrage, on va dire. Nous avons ni plus ni moins que 4 Loremakers en cours et 1 ATV, pour le coup, donc on commence dans l'ordre avec le Loremaker sur Magnus, qui est pris en charge traduction et sous-titrage par Tarquin, Retor ou Rétor, pris en charge traduction et sous-titrage par Hildensen, Bacchus, que j'attends avec impatience, traduction et sous-titrage terminé par Yoryu et relecture terminée par Lubu, il est donc en attente de sa repasse finale. Et enfin, Adrian, traduction et sous-titrage terminé par Lomelinde et Lubu, en attente de relecture. Et enfin, le dernier, l'ATV numéro 16, Breaking the Game, sous-titrage en cours par Loto.
Je crois que j'ai fait le tour. Bien joué. Il reste plus qu'une bonne petite annonce. Une bonne petite annonce, en effet. Vous m'avez entendu balbutier ça tout à l'heure à demi-mot, lorsqu'on parlait donc de la vente anniversaire et des détails sur la période de vol gratuit. Et du coup, de l'article. Voilà. Ici présent, nous a créé un article qu'on va vous poster tout de suite. Le guide de la vente anniversaire qui vous permettra de retrouver du coup en français et avec les liens tous les articles que la Trad Team a pu traduire autour des différents vaisseaux dont il sera question, puisque donc chaque jour nous aurons une marque différente avec des vaisseaux à tester lors du free fly et probablement au niveau de la mise en vente. Mais ça pour l'instant on n'en sait pas plus, on le découvrira en même temps que vous. Bref, toujours est-il que sur ce guide là vous retrouverez les articles du vaisseau, les brochures, les Q&R, le tout classifié par vaisseau et par marque en fonction des jours. Et pourquoi a-t-on fait ça? C'est plus ou moins la grande question. C'est parce que, on vous l'avait brièvement dit jeudi dernier en compagnie de l'Omelinde, on a plus ou moins mis les choses en place afin de faire en sorte que chaque jour, comme on sait qu'il y a une marque qui sort et qu'on s'attend à ce qu'il y ait une vidéo qui sorte par jour, vidéos qui bien sûr seront sous-titrées par la Trad Team, vous y attendez, chaque jour, pour être précis, chaque soir, à 21h sur la chaîne de Star Pirate News, vous pourrez retrouver une émission spécialement dédiée à la vente anniversaire, rassemblant donc conjointement les équipes de la Trad Team et de Star Pirate News. C'est pas fini. Puisque chaque soir sera dédié à une marque, donc on traduira, nous, au niveau de la Trad Team, la vidéo présente, et avec Star Pirate News, on parlera de la marque en question. Et en plus de ça, et ça on est en train de le mettre en place aussi, un invité, un ambassadeur, un ou une ambassadeur-ambassadrice, pour représenter la marque et en parler un petit peu afin de guider ceux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose ou qui veulent découvrir ou qui veulent redécouvrir et prendre plaisir à partager ce moment avec nous, tout simplement. En gros, on avait besoin de quelqu'un de partial et de mauvaise foi qui dise chaque soir « cette marque, c'est la meilleure ». C'est ça. C'est mieux que les autres. Exactement. Autrement dit, sachez que le jour de Drake, a forcément l'Ubiway. Par exemple. Voilà. avec la chapka. Bien sûr. Ubiway, tu viens de l'entendre, t'es obligé de foutre la chapka ce soir-là. C'est impératif. Donc tu ouvres la fenêtre, tu ne mets pas les chauffages et tu portes ta chapka. C'est ça. Bon, ça va, je crois qu'il y a de la neige de son côté de la France. Chapka et vodka, non. Peut-être la France, pas. De la France, c'est la Suisse là-bas presque. Voilà, donc sachez-le, le rendez-vous est pris du 23 au 30 lors de la vente anniversaire. Chaque soir sur Star Pirate News, vous pourrez retrouver une émission pour parler de la marque, pour traduire la vidéo, pour débattre autour de ça. On vous y attend de pied ferme, parce que je pense que nous, de notre côté, en tout cas, on va passer un petit moment fort sympathique. Bien sûr, ça n'empiétera pas sur les programmes habituels, ils seront juste potentiellement modifiés à l'occasion de cette période. Je peux pas forcément parler pour le rendez-vous des citoyens, par exemple, Snakem le fera mieux que moi, mais je sais que pour le cadre du lundi prochain, où nous aurons un trad live, ce sera de fait un trad live, un tantinet spécial, hein, bien sûr. Donc voilà, attendez-vous-y, du 23 au 30 novembre, on vous attend ici, chaque soir, sur cette chaîne, sur Star Pirate News. Ça promet d'être sympathique. Moi, je dis qu'on va passer un bon petit moment. Ça va être bien. Oh, yeah. Vie. Et Dayum, du coup. Misk, t'es chaud patate? Non, c'est pas Misk que t'avais pris. On ne t'entend plus. Non? Bah, non, c'est parce qu'il parle pas. Si. C'est simplement parce qu'il parle pas. Misk, c'est bien. C'est quelle marque que tu vas représenter, toi? C'est quelle marque, toi, qui t'intéresse? Misk. Misk, voilà. C'est bien ça. Voilà. Très bien. Ambassadeur Misk. Il y a des toilettes. Et pas voilà. C'est une raison valable. Ah, les buts. Oh, c'est vrai que dans Drake, il y a deux harponniers pour mettre des salis broyeurs, c'est trop bien. C'est vrai que j'aime beaucoup le principe du. Oui, voilà. Dans les vaisseaux normaux, il y a des toilettes. Dans Drake, il y a un cockpit. Tu l'ouvres et tu fais caca. Voilà. Voilà. N'empêche que je crois qu'il y avait deux trois articles qui mentionnaient que les toilettes dans la plupart des vaisseaux, on est vraiment en train de discuter de ça en deux. Les toilettes dans les vaisseaux n'étaient que des trappes au final vers le vide spatial. Et là que tu en même temps, t'as déjà vu les toilettes des trains, s'il te plaît quoi. On est d'accord, mais est-ce que c'est pas du coup super dangereux de tirer la chasse en étant encore dans la salle? Mais non, c'est géré. Non, pour le coup, en le cas de gravité, comment ça se passe? Ah, mal. Les influenceurs font aussi douche et ça c'est pas pratique. Les PNJ ne parleront pas si tu pues, donc oui. C'est un avantage. C'est léger, un gros avantage. Mais présent quand même. Complètement. Bref, est-ce qu'on enchaînerait pas du coup avec notre cher Calling All Dev? Oui, bah oui, on va regarder. Allez, voilà. On va pouvoir y aller. Est-ce que j'ai tout le monde dans la salle?
Non, il me manque une personne. Présent. Ouais, d'ailleurs, non, je me fais attendre, j'attends pour faire mon entrée de div. Darn, tu es Aggressive Church? Absolument pas. C'est pas très catholique. Abrupt Gummy Beer, putain. Ah, ah, c'est tellement parfait. C'est qui parfait. Le Worthless Figurine? C'est moi. D'accord, ok. Donc, tu es une figurine sans valeur. Dayum a changé de nom, Darn a changé de nom pour devenir Farandole de pâté. Alors absolument non, pas. C'est moi. Alors moi j'ai mis mon nom entre crochets, donc ah oui, non, non, je suis mais c'est que tu peux Dayum. Pas louper en fait. Ouais, non mais voilà, écoute, hein, moi je vais en profiter aussi, voilà. De toute façon, je suis, voilà. Une curve noodle et je n'en changerai pas. On est quand même ouais, bien bon. D'accord. Farandole de pâté, moi j'irai Ecoca pour le coup, ça me semble quand même pertinent. Oh mon bah, dieu. J'ai mal à l'estomac, rien d'y penser. Je suis ce qui n'est pas sur mon bureau. J'ai du coca sur mon bureau, le pâté est dans le frigo, donc voilà. Ok, très bien. Eh bien, on va pouvoir se lancer Solar System Scrutiny, donc scrutin de système solaire. Allez. Vraiment. Ok. Des questions sur l'espace. C'est parti. Très large, quoi. Voyons voir de quoi ça traite. Et il faut que je pense à couper la musique, ça peut être utile. Hi everybody, welcome to another episode of Calling All Devs, the weekly Q&A series where I take questions from you, the Star Citizen backer, and pose them directly to our developers, and then do the exact same intro every single week that you see, but a variety of intros that never get seen by the public for our lovely guests in attendance. Speaking of guests, we have Calling All Devs All-Star, the original, the man for whom I could not do this show or any of my shows. I honestly have to get out of bed. In the morning le fameux. Todd Pappy, how you doing, man? Oh, ça faisait longtemps. I'm good. Limite. Yourself? Okay. I'm okay. Ouais. Ouais. C'était quoi ça? C'était ouais, voilà. Je peux dire que ça va bien, alors que ça va moyen. Écoute, ça c'était le pauvre Jared qui attendait les résultats de son cardiogramme et qui du coup savait pas trop s'il devait dire qu'il allait bien ou pas. Ça va moyen, mais je vais t'épargner les questions et l'empathie. C'est ça, c'est exactement ça. J'en profite du coup pour mettre en pause pour faire une petite annonce. Il manque apparemment 13 abonnés à Dayum avant ses 20K. Je vous reposte le lien de sa chaîne et je vous encourage tout de suite à aller vous abonner. Il en manque 13, on attend de pouvoir atteindre les 20 000. D'ailleurs, voilà, on va pas commencer la traduction avant que... pas de traduction avant les 20 000. Hors de question. Les 20 000, voilà. Bah, où est mon gilet jaune? Gilet jaune de la trad, j'allais le dire. Les gilets jaunes de la trad. Oh là là, quoi. Oh mais non. On va se faire tellement péter la gueule pour ce genre de remarques. Oui, un tout petit peu. Politique, on a dit pas de politique. C'est ça, c'est ça. Bon, on avait dit pas de politique, mais on avait dit... C'est pas politique, c'est la sécurité routière. C'est juste. Ce que dit cet homme est juste. Tout à fait. Bon, traduisons. Voilà, tout ça pour dire qu'on a quand même le retour de Todd Papy qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, ce me semble. Exactement. Bah, ça fait quoi, 3 semaines, 4 semaines? Ce qui pour Todd Papy est assez... Ouais. C'est long. Étonnant. Todd Papy. Oui, complètement. J'en connais d'autres qui ont dû faire des heures supplémentaires, du coup. Ah, il va... Est-ce que c'est toujours lui qui détient le record d'Air Nouvelle, hein? Je pense pas. C'est lui ou c'est... J'ai perdu son nom, ce cher monsieur Roux, qui parlait du panel de vol, notamment... Le lead chip designer. Moi, c'est pareil, je les reconnais à la couleur de la cheveux. Et au... la couleur des cheveux, ouais. Toujours les cheveux qu'on reconnaît les gens. C'est ça. Ou l'absence. je sais que vous alliez le dire, donc ok, l'absence de cheveux. J'allais dire la particularité physique intrinsèque à chaque personne. Non, merci, Darn. C'est un peu long. C'est politiquement surcorrect, quoi. J'ai fait l'ENA. Ça se voit. Allez, let's go. Early in the morning. It is early in the morning. The wonderful thing about this, and people wonder why I rambled so much in calling out devs, it's because I was asleep like 25 minutes ago. Which is a little, well, there's some behind the scenes stuff. Il vient se réveiller. I think how tired you felt, or you feel this morning, is how I felt this morning, where I forgot my sandwich and had to do double stairs all the way up, all the way down. My body was not liking it, so. Did you get your sandwich? Yes, but it was punishment to my body for il parle de sandwich, donc voilà. Il a oublié son sandwich, il a dû monter et descendre des escaliers. Deux fois. Deux étages. Ah bah son corps n'était pas prêt pour ça, apparemment. Il n'était pas prêt. Voilà. Et le développeur, c'est dur. Je tiens à dire qu'il y a toujours
des cadavres de licornes dans le bureau de Todd Papi. Ce mec, quand c'est pas des rollers, c'est des cadavres de licornes. Je ne comprends pas le bureau comme, de ce mec. Comme il avait pas de sandwich, il a essayé de bouffer une licorne. Moi, nourrissez ces hommes, quoi. Mais j'approuve son amour pour les peluches. Hein. Allons. Attends, tes peluches chats ne sont même plus dans le cadre, Dayoum. Oui, c'est absolument intolérable, d'ailleurs. Oui. Je mettrai une webcam dédiée aux peluches dans le futur. Écoute, moi je trouve suivre la vie de tes peluches en direct, ça doit être passionnant. Complètement. Potentiellement sale, mais passionnant. En plein stream, ça doit être absolument parfait. Une caméra dédiée à ça. Allez financer Dayoum sur Utip. Il lui faut une nouvelle webcam pour ses peluches. Voilà. Il y a plein de pubs en plus maintenant. Exactement. La caméra chaton. Une chatcam. Worst financement ever. La question. Là oui, alors la question c'est est-ce qu'on va voir ça sur Chatroulette du coup. Bref. Bref, as usual, from the backers, by the backers, for the backers. This one says, do you plan to implement inherited momentum? For instance, when a player jumps off a ship in motion, they become static while that ship continues its journey through space. Très bonne question. So Alors, la question, elle est très simple. Oui. Que dans le futur, quand on saute de notre vaisseau, notre perso aura toujours la vitesse du vaisseau. Parce que maintenant, quand tu sautes, ton perso, il devient sur place et le vaisseau s'en va. Et théoriquement, d'ailleurs, ton perso devrait mourir, tous ses organes écrasés par le freinage. Et globalement. Oui. Globalement. Ça passe de 1000 mètres seconde à zéro, mais... C'est ça. Il y a un moment où... Voilà. En gros, la question de manière générique, c'est est-ce qu'on pourra transmettre les forces d'un vaisseau à une personne et, est-ce qu'on pourra hériter de la vitesse de son vaisseau quand on en sort Exactement. La vitesse acquise, donc, ouais. En effet. Même plus que la vitesse, c'est... Vas-y. La question parle de moment, donc ça veut dire la vitesse et la direction, c'est la force. Oui, le momentum, c'est... Voilà. C'est vraiment la force. Tout, hein. C'est vraiment C'est la flèche. L'unité physique de déplacement, quoi. Voilà. C'est l'intégralitude complète, quoi. C'est... Mais pour ceux qui étaient à l'école encore il n'y a pas longtemps, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, voilà, quoi. Mouvement. Voilà, j'ai raté mes études il y a quelques temps, hein, donc calme-toi avec tes trucs. Oui, alors, à ton avis, lequel de nous deux a terminé ses études depuis plus longtemps, hein? Pourquoi toujours? Tu cherches aussi. Ah, mais complètement. Non, disons que j'essaye d'assumer pas seulement les mauvais, mais aussi les bons côtés. Si tu veux. Et donc, pour assumer, ça tu fais ça en montrant tes cheveux, toi. Écoute, oui, complètement. D'accord. Les cheveux, l'absence de cheveux, c'est un bon ou un mauvais côté? Alors, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté. L'absence de cheveux, c'est une situation, c'est un ensemble de rencontres. La réponse, maintenant. Voilà, je propose qu'on vise la réponse. Là. La réponse. Our physics gurus, so they said that all the provisions are there, and if it's not working, then basically it's a bug. Cool. So it should inherit basically momentum between the two grids, and it should work... He says, like, when you're going out and you're flying, and then you go from EVA, that should work. If it's not, then it's a bug. So I expect the Evocati to basically call out any of those issues. And then, obviously, I think when we start talking about QT and those things, it might be that we start seeing where things break down, or the human that just jumped out just goes and slams into... Ok, donc du Pourquoi coup. Pourquoi de rire, mais... parce que ça fait un peu mid-crusher, mais globalement, en gros, ce qu'il explique, c'est que à l'heure actuelle, les physics wizards, donc les gars qui gèrent la physique, en tout cas la physicalité et tous les moteurs de reproduction de la physique, qui sont d'ailleurs basés à Francfort, d'ailleurs, sont nos bons amis de Foundry 42 Francfort. Normalement, eux disent que tout est en place et que donc ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est un bug. Voilà. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité, mais pour une fois, c'est bien un bug. C'est un bug. C'est un bug. Ils expliquent aussi donc que du coup, ça veut dire que si quelqu'un saute d'un vaisseau, que ce vaisseau est en marche, qu'on est dans l'espace, et que le vaisseau n'accélère pas, vous allez avoir l'impression que ça bug. Parce que votre seul référent, a priori, ce sera le vaisseau. Mmh. Et que vous allez vous déplacer en fait à la même vitesse que lui s'il n'accélère pas.
Et donc, en fait, vous allez avoir l'impression que, ben, putain, en fait, je suis arrêté alors que vous voyagez à 1000 mètres secondes. Mais c'est juste, vous n'avez pas de référent visuel. Si vous voyez pas, s'il n'y a pas une station ou un autre vaisseau fixe, bref, un point fixe dans l'univers, vous allez avoir du mal à vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Donc ça, c'est un petit détail pour les bêta-testeurs, enfin les alpha-testeurs que nous sommes tous à l'heure actuelle. Ouais. Mais donc, faites attention avant de faire remonter qu'il y a un bug, vérifiez que vous avez un point fixe, ne prenez pas votre vaisseau comme un point de référence. Et du coup, à côté de ça, il a raison pour laquelle Jared est mort de rire, parce que Todd Papi parle du fait que forcément, il y a encore des zones grises, on va dire, dans le développement du truc. C'est qu'est-ce qui se passe quand un humain sort ou saute d'un vaisseau en plein voyage quantique. Et là ça, voilà, ça peut un tout petit peu... Todd Papi disait « My body is not ready » de se faire les deux étages jusque chez lui deux fois de suite. À mon avis, sauter en plein voyage quantique, pas être une super bonne idée. C'est pas la chose la plus pertinente qui soit, en effet. Mais disons que je pense qu'il y a un moment où, a priori, le vaisseau va sortir du voyage quantique. Et vous allez probablement rentrer dans le vaisseau à ce moment-là. Ou dans la planète. Donc une planète, ou dans à peu près n'importe quoi. Donc voilà, mon avis. Ce qui arrive ensuite, c'est bon. Mais en tout cas, le fait que ça fonctionne dans le futur, qu'il n'y aura plus de bugs, c'est intéressant, surtout pour les fighters, dans le sens où tu es dans un voyage à tes 1000 mètres secondes, tout va bien, et tu veux aller voir un de tes composants. Donc tu sors de ton vaisseau à 1000 mètres secondes, toujours, mais vu que tu as référencé ton vaisseau, et que tu vas à 1000 mètres secondes, tu pourras naviguer autour tranquille en faisant ton trajet, réparer ton composant, faire tes trucs, et remonter pendant que ton vaisseau il continue à avancer, et toi avec. Pareil, être et un ça, peu chaud patate quand même, dans l'idée. Oui, mais les réparations à 1000 mètres secondes, c'est que tu es censé garder la vitesse acquise du vaisseau. Mais t'es pas censé, enfin t'es censé sortir avec la vitesse acquise du vaisseau, mais pas la garder. T'as pas la propulsion du vaisseau. Bah s'il accélère pas le vaisseau. S'il accélère pas. Non, il y a pas de frottement. De toute façon, oui, je suis bête. Il y a pas de frottement, mais après, faut voir après. C'est tu gères, tu peux naviguer en haut, à côté de ton vaisseau tranquille et faire ton bordel. Hein. Ouais. Ça me paraît. De la force qu'on donne à nos impulseurs à air. C'est ça. Enchaînant du coup. Yes, I would like to see a human just continue in quantum travel like forever, just like Silver Surfer through the galaxy. Yes. We just have a series of Silver Surfers crisscrossing the Stan system. I want it. It's a future. So, hopefully that answers their question, and then if they see anything, then send it on over to the community guys. The issue council. Use the issue council. Issue council. What else you're working on? Anything else cool? Right now, 335. Pretty much consuming everybody at the moment. Yeah. Yeah. So, getting that out. Cool. Ils ont l'air tous les deux fatigués. Complètement l'air au bout de leur vie. It's gonna be 2 weeks without John Crew, so. Voilà, John Crew. Well, c'était lui le roux. C'est ça. I mean, voilà. I saw that. John Crew, en plus que vous avez. Voilà, exactement. But, that his savait. Number passed me, so. I was happy about that. Il croit pas une seconde. You like me. Yeah, I do. He doesn't. Okay, no, I'll talk to you later. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, il dépasse John Crew toujours de 2 épisodes. Un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il a toujours 2 épisodes d'avance par rapport à John Crew. Mais après, je sais pas si au nombre de questions c'est pareil, parce que John Crew, en général, quand il débarque, il se prend 3 questions d'affilée. Quoi. C'est donc, vrai. Voilà. À voir. Après, voilà, dans la dans le graphique qu'ils avaient publié, c'est une bouteille de coca dans le fond. Ah oui. Oh putain, l'œil acéré du Daïum en rut. En rut pour une bouteille de coca, c'est quand même ultra chelou comme mœurs. Ouais, mais en même temps, la bouteille de coca, tu vois, c'est comme John Doe, nous. Son monde est en noir et blanc sauf les bouteilles de coca. Forcément, ça aide. Oh la référence. Mais c'est le seul truc rouge dans le fond aussi. On voit que ça. C'est vrai. Maintenant, à côté de la plante morte. On ne pense qu'il l'arrose avec ça. Ça veut tout dire, ça. C'est un développeur, hein, cela dit. Hein. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il arrose des plantes. Hein. Quoi, la plante, c'est le développeur ? Exactement. Puisque la plante se développe. voilà. Même pas. All right, thank you so much, Todd. Now moving over to our Manchester office, a person that honestly I don't feel like we have on the show nearly enough, but we're trying to fix that this week. Luke Davis, qui a un très bon t-shirt, n'est-ce pas lui, Boy? We're gonna ask him what his title is now because je crois que j'ai le même mais avec Vegeta. Ce qui est encore mieux. Luke, how you doing, man?
Hi there, Jack. I'm doing well. What are you doing for Star Citizen now? So right now, my primary focus right now is basically to help restructure the locations teams and make sure that we have what it takes to build the universe that sort of, you know, Chris and Aaron and everyone is expecting us to have. And so it's sort of, you know, to elaborate a bit on that, that's sort of, you know, we have typically we've worked as, you know, one big art team, one big design team. And, you know, we're trying to move away from that purely because of how much we work on at any one time at the game. And what we're trying to do is essentially pull the resources together, go, right, okay, you know what, we want a team to work on a landing zone and then the next landing zone and then the one after that. And then we want to do the same with planets, the same with space stations, and, you know, the same with missions, really. And we want to be able to go, right, landing zone, you have, right, these are the artists you can pull from, these are the design, you know, the life designers, level designers, the system designers, you know, this is the tech you need, this is, you know, the UI you need for it. And basically pull them all in under one little group and call them the landing zone team. And they're the guys that basically move together and sprint together and basically work towards one common goal. So for example, right now, biggest priorities are, or the biggest priority right now is doing the central business district for Lawville. So right now we have a team CBD. Called CBD, exactly. So we call that all that right now is under a team called LZ1. So my primary focus has been essentially setting up, helping to set up the teams, helping drive the teams with, you know, the help of, you know, my fellow producers, and of course the leads in charge of sort of the individual areas. And yeah, that's pretty much it. I of course have Ben Parr, who's now sort of more involved on the ship side, working alongside Mark Hong. So I still have the overview on basically all the content side, but right now it's about, right, you know, we know how to make a ship, you know, ships are doing fairly well, how do we get locations out the door, how do we build the gold standards, how do we get a proper schedule for them. Ouais, voilà, parce que c'est vrai. Il est très, 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 très. J'allais dire, pitié, dites-moi qu'il y en a un qui a suivi, parce que ça s'arrête pas, oui, le monsieur. Oui, oui, bah oui, quand même. J'ai le concept général de ce qu'il fait. En gros, c'est un putain de project manager, il n'y a pas besoin d'élaborer 5 minutes. Quoi. C'est ça. Il construit les teams pour faire des tâches spécifiques, quoi. Merci. Merci. Ah, voilà. Et il lui a fallu 27 phrases hein, pour dire tout ça, effectivement. Oui, c'est à cause de lui, probablement, que ce Calling All Dev dure 21 minutes. Je crois que vous êtes méchant. Disons que s'il y en a deux autres comme ça, il va y avoir deux questions. Hein. Non, juste après, on va avoir Tony Zurovec, tu vas voir. Oh, pitié. Ça serait bien, ça ferait des Calling All Dev d'une heure. Irine Roberts. Non, alors non, parce que si y a Irine Roberts, je vous jure, je me fais porter par. Ah non. Le Texas, mate. Je suis le seul qui arrive à le comprendre, Irine Roberts, j'ai jamais eu de problème. Et c'est parce que tu comprends pas l'anglais, Dayum. Alors. Moi, je rappelle ma petite technique pour Irine Roberts, tu passes la vidéo à 0,75 de la vitesse. C'est vrai. 0,75 de la vitesse. Ouais. C'est non seulement tu arrives à le comprendre, mais en plus tu te marres parce que tu as l'impression qu'il fait un AVC pendant 2h30. C'est génial. Et non, tu as l'impression que c'est un mec normal qui parle normalement. C'est pas pareil. C'est parfait. Bon, donc voilà, donc ce monsieur, voilà, c'est ça. Il gère des équipes, il aide à monter des équipes pour s'assurer que, tout simplement, nous aurons dans l'univers tout ce que nous rêvons d'avoir dans cet univers. Donc il monte des équipes en fonction des différents corps de métier et des besoins pour des projets précis. Finalement, c'est des mini-gestions de projets au sein du gros projet. Et donc il fait. L'exemple qu'il donnait, c'est sur les landing zones, quoi. C'est les artistes, les gens de l'interface et tout ça qui doivent faire les landing zones. Ils vont dans la team landing zone et ils bossent là-dessus. C'est ça. Ou l'équipe en charge du district business de leur ville, notamment. C'est ça. Est-ce que j'ai une équipe toilette 3-5. Ah, oui. Bonne question. Très très bonne question. Est-ce que les besoins sont générés procéduralement parlant? Ah bah oui. Bah oui. On a des nouilles procédurales. Donc bon, je ne vais pas terminer cette phrase. Et je ne vais pas prononcer ce mot à deux syllabes. Des nouilles, exactement. Les noix. Merci. Bref, est-ce qu'il a fini, monsieur? Est-ce qu'on passe à la question d'après vous? À mon avis, non, mais allez-y. On va y voir. I haven't even asked the question yet. Ah bah voilà, même Jared le dit. But thank you. So it's nice, Luke, to have somebody who's so forthcoming with information, unlike certain John Crew people. No. We love John Crew. Ça trash talk.
people on Reddit are trying to insinuate that we don't like each other. And I do like each other. When I'm there in person, he tolerates me. It's very nice. He's like a nice fluffy teddy bear in person, really. Like if you stand next to him, you just want to give him a nice hug. All right. So your question this week and now with your back. Alors pour le coup quand même, il se moque un tout petit peu de John Crew parce que il dit ouais mais c'est vrai que si vous êtes à côté de lui, allez lui faire un gros câlin, tout ça, tout ça. Oui, c'est un ours. Moi qui l'ai eu. Alors non. Moi qui l'ai eu, qui a eu l'occasion de papoter avec lui et qui était en face de lui et qui a eu autographe, tout, enfin bref, voilà. Le gars, il a l'air d'un putain de rideau de photomaton en permanence, quoi. C'est... Un rideau de photomaton. Ah, il j'avais jamais entendu cette métaphore. Ah, écoute, il y avait la porte de prison, ben, le degré au-dessus, c'est le rideau de photomaton. Oh, c'est truc, brillant. Voilà, c'est. Neutre sur 20. Ah, et complètement et vraiment, mais juste pas accueillant, quoi. Vraiment pas et enfin après il répond aux questions hein, mais t'as l'impression qu'il est mort à l'intérieur mais ressuscité momifié enfin remort par dessus remis derrière complètement, enfin, complètement. Mais t'as, j'ai pas que Star Citizen est fait par des morts vivants regardez les meilleurs skills ressuscite les morts exactement non mais après c'est donc ça qu'on appelle la mort du skill ne l'encouragez pas ne l'encouragez non, pas. Par contre, John Crew, il répond aux questions et il est pas désagréable. C'est juste qu'il a un non-verbal qui est mais hyper neutre en permanence, qui fait que tu sais jamais si tu l'emmerdes. Enfin non, en fait, t'as toujours l'impression d'emmerder. C'est un Terminator. C'est pas un problème. J'ai toujours eu l'impression d'emmerder tout le monde. Ça me change pas. Je connais ça. Je connais atrocement ça. Connexion error. On va tout casser. Comment ça connecte ? Je remerde le monde et je casse la vidéo. Sur la vidéo, vous n'arrivez pas à la relancer ? Ah oui, en effet, il n'y a plus personne dans la salle. On sait qu'on est à 7 minutes 11, c'est ce qu'il faut. On va tenter un F5. Ouais, parce que même moi, en effet, j'ai la vidéo qui est down. Donc je vais me prémunir du lien et recréer une salle, ça va être le plus simple. J'ai Parandole de pâté qui m'a rejoint et Charrette et Bovin de qualité. Yes. Ouais, mais la vidéo a pas l'air de synchroniser. Non, parce que vu qu'on a régénéré la salle, elle est vide, donc hop, regardez. C'est vide à l'intérieur, c'est John Crew à l'intérieur. Oh mon dieu, cette salle est John Crew. Nom de dieu, vous êtes horrible. Non, on va en recréer. On ne fait que suivre le mouvement. Ah, après, effectivement, John Crew, c'est erreur 404, soul not found. Oh, mais qu'est-ce que vous avez bah après, s'il met non, il a même pas trouvé l'erreur 404. Dans les émotions, en fait. Moi, j'accepte. Hein. Ah, mais complètement. On lui demande juste de coder correctement, en fait, hein, ce garçon. Ah, bah, oui. C'est vrai. Ne lui demandons pas de mettre son âme dans ce jeu, quoi. Faut pas oublier que la plupart des gens. C'est ça qu'il a fait. La plupart des gens qu'on voit dans ces vidéos, c'est des développeurs, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de passer dans des vidéos ou autres. Donc, ça reste normal qu'il y en a, ils sont pas trop expressifs, quoi. Oui, bah c'est ça. C'est comme nous, on prend des créateurs de contenu qui sont des gens awkward au possible, on les met devant une caméra, on les force à parler. Voilà, quoi. Complètement. Et il me manque toujours Silky, qui aime bien faire les entrées théâtrales. Oui, mais je sais que je te manque. Toujours. Moi, je suis encore marqué, en train de synchroniser, par contre. Ok. Et alors, si je lance. Oui, bah, pareil. Vous l'avez. Ok, très bien. Alors, attendez. Synchronizing. On va revérifier. So your question... Est-ce que vous l'avez ? On a la synchronisation, ouais. Ça synchronise bien, oui. Si je lance, vous avez rien ? Synchronise dur, là. Ok, parce que moi, ça fonctionne de mon côté, donc c'est quand même un peu frustrant. Est-ce qu'on n'aurait pas tous les Together Tube dans les choux ? Est-ce qu'on te regarderait pas faire, quoi ? Non. Voilà, non. Eh ben, ça va être aussi une vidéo, dans ce cas-là. Allez, hop. Ah bah oui, écoute, hein, quand ça marche pas, change-en. Exactement, dans le doute, reboot. Overconfident hamburger, bah écoute, oui, je veux bien. je suis d'accord. Non, mais la génération de pseudo, quoi. Elle est absolument parfaite, je vois pas ce que tu reproches. Ah non, mais elle est parfaite, effectivement. Inimitable, tu sais d'où ça vient. Ah oui, calme-toi la vidéo. Invite. Hop. Détends-toi, je suis un hamburger surdéveloppé. Ah, moi je suis un hamburger. Je suis entouré d'hamburgers. Je ne pensais pas dire ça un jour.
Mon dieu, le chat est en PLS de jeu de mots. C'est flippant. Hop. Gifted Carolina Dog. Non. Drop table mais password. Si. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis le petit chien de Carolina. Mon dieu. Moi, je fais des blagues sur le SQL. Y a pas grand monde qui va comprendre, je pense. Drop table password. Ouais, non, là, j'avoue. C'est qui le sexy garlic? C'est moi. D'accord. C'est dommage. Je suis le sexy garlic. C'est quand même triste. Oui. Parce que Silkinael, comme un oignon qu'il aime bien bouffer, il est pelé. Vous êtes à 7 minutes 4, c'est bon? On parlait de mort du skill tout à l'heure. Lance la vidéo pour que ça se resynchronise niveau timing, je pense. Yep. Voilà, c'est bon. Ok. Là, bon, on veut le bonhomme. Like if you stand next to him, you just want to give him a nice hug. So your question this week, and now with your backstory, I know we have the right person. Right. Doesn't mean there's going to be an answer for it, but I know we have the right person to ask. It says, how fast do you think we'll be able to create a solar system once all the tools are in place for la creating? Question importante. And that's a big gimme. Like, so yeah, once we figured out everything that we need to figure out, and once we have all the tools that we don't have, how fast do we think we can make a solar system? Yeah, it's an interesting question. And oui, mais on va d'abord la traduire. Messieurs. Quand il y aura tous les outils, genre tout, la génération procédurale, les avant-postes qui sont... Tous les outils, genre tout est bon, tout est parfait. Mm-hmm. En combien de temps CIG sera capable de générer un système planétaire / stellaire? Merci. C'est ce qui va définir combien de systèmes on aura à la release, entre guillemets, avec une main. Donc je les ouvre et je les fermerai jamais, ça va casser la réalité. Mm-hmm. Et ça va aussi nous montrer combien de systèmes on aura à chaque mise à jour. Est-ce qu'on aura un système tous les 3 mois dès que le truc sera lancé? Est-ce qu'on en aura plusieurs? Est-ce qu'on en aura un, mais ça se trouve il y en aura deux, il y en aura un qu'il faudra découvrir? On ne sait pas. Donc c'est une question importante, et pour l'instant, il n'y a que des bonnes questions, en fait. C'est cool. Mm-hmm. Ouais, effectivement. Si je me demande vraiment est-ce qu'ils seront capables de répondre à une question pareille, pour le coup. En moins d'un quart d'heure. À mon avis, ils vont dire, bah, ça dépend, on va voir. Ouais, moi, je sens venir le Sundiem à peu de choses près, quoi. Hein, Allez, voyons voir. And you know, I think sort of just understanding the backstory and you know why I'm on locations right now hopefully gives you a bit of insight and you know everyone a bit of insight as to you know why it's quite a difficult question to answer because we've been trying to get these locations out sort of you know on time with everything that's needed in it and I think you know as a you know a backer community and everyone they can see when we brought Levski out it was sort of you know it was a bit bare bones it was you know it was very nice to look at it was great but really you know that there could be more sort of to do there and we know there is more out there in terms of gameplay that you know we have to offer and I think sort of the first proper gold standard landing zone that we're bringing out is Lawville and you know that was you know quite a bit more complex in terms of how much goes into it and we're sort of learning a lot and I think we discovered that shift on the ships and if everyone remember sort of the Gladius we did the damage states and you know it sort of looked very new and different to what we had done before and we were like right we've got it we know what a ship is now and you know ships after that were like right yep we know how to schedule them we can build a pipeline from it and you know now we know you know we can tell everyone when they're getting certain ships and you know obviously we have our fun discussions of going well is it in white box is it in gray box and really on the locations pipeline because of how much the tech has changed if you think about you know just the planet tech by itself that a few years ago that wasn't even a thing and now it's what we're centering a lot of it around and we pause quand même bah là il explique en gros pour résumer ce qu'il explique que c'est une question difficile à répondre parce que tout simplement ils ont pas le recul nécessaire puisque le temps qu'ils ont mis pour faire ce qu'il y a eu actuellement leur ville les nouvelles zones et tous les nouveaux défis qu'ils ont eu au final leur permet pas de savoir combien de temps ils mettront ensuite puisqu'ils seront nécessairement plus rapides avec toutes les nouvelles technologies etc. La technologie évolue tout le temps complètement grosso modo ce qu'il a dit quoi. C'est en gros ce qu'il a expliqué pour rentrer un chouïa plus dans les détails aussi c'est que c'est comme quand ils ont fait Gladius. C'est, ils avaient les nouveaux systèmes de dégâts et tout ça, ça semblait tout nouveau. Et à partir de là, ils ont pu construire le pipeline de création des vaisseaux, avec toutes les étapes et tout ça, qui permet de faire aller le truc, faire fonctionner le système bien, bien rapidement. Et ça fait que maintenant, ils nous sortent des vaisseaux, bien vite. Et le système Stanton, c'est un peu ça, c'est le chantier qui va permettre de construire le pipeline
Et à la fin, on aura les technologies globalement finies. Il y aura sûrement des améliorations à faire dans le futur, mais voilà. Et après ça, on va voir la vitesse qu'ils vont prendre. Mais Stanton ne permet pas de définir la vitesse de production des futurs systèmes. Sachant que, comme Amanda Ange l'a souligné dans le chat, ça dépend aussi des systèmes. Stanton, il y a 4 planètes et 4 landing zones assez intenses à faire. Tu as des systèmes où il n'y aura rien. Ouais, complètement. Des planètes et des lunes vides. En fait, je pense que mapper les planètes, entre guillemets, ça va aller vite. Ouais. Entre guillemets, avec la génération procédurale et tout le bazar. Voilà, oui, c'est ça. Mais après, ce qui va prendre du temps, ça va être de mettre les mission givers, ça va être de mettre les PNJ, ça va être de... S'il faut mettre des métros, le système de métro, les villes et tout le bazar, ça prend beaucoup plus de temps que de mettre des planètes inhabitables. Donc, c'est vachement... Enfin, je comprends qu'ils soient un peu, voilà, qu'ils soient un peu pris au dépourvu parce que OK, mais il y a combien de planètes, il y a combien de jump points, il y a combien de lunes, qu'est-ce qu'il y a dans chaque système? Je veux dire, si vous avez déjà un peu regardé les vidéos Lore Maker qu'on sous-titre, vous avez dû voir qu'il y a certains Lore Maker qui font 11 minutes parce que ils brodent et tu sens qu'il y a pas grand-chose il y a pas énormément à dire. Enfin si, il y a de l'histoire, il y a des choses qui sont passées dans ce système, mais les planètes globalement, il y a pas grand-chose à en faire quoi. Par contre, à côté de ça, il y a des planètes où il y a des systèmes comme Stanton où tu as du mal à faire un squeeze, à faire rentrer ça dans un lore maker de 16 ou 18 minutes parce que il y a tellement à dire sur tout, il y a tellement d'histoires, tellement de... Enfin, Stanton est un des... Elle, peut-être même encore plus que Terra, le système le plus difficile et le plus complexe à faire. Donc, pouf. Surtout que je pense que CIG s'est aussi rendu la tâche difficile dans le sens où pas mal des systèmes ont été décrits, surtout au niveau des planètes et des landing zones, à une époque où on n'avait pas les planètes et les lunes procédurales. Complètement. Oui. Que quand ils nous ont décrit genre Tangaroa avec les îles volcaniques qui pop et qui disparaissent, avec les maisons qui se construisent, tout ça, le truc super touristique, super classe, si jamais on allait atterrir dessus, ça allait être une map pas très grande. Mm-hmm. Maintenant, ils doivent se taper toute la planète. Avec un système justement de flotte qui fait des grandes vagues, capable de détruire des îles et tout ça. C'est ça. Donc ouais, ils se sont compliqué la tâche. Complètement. Mais ça a poussé la technologie plus loin, c'est bien, mais il ne faut pas s'attendre, c'est comme je l'avais rementionné récemment, je ne sais plus où, il ne faut pas s'attendre aux 100 systèmes à la release. Hein. Ça a été debunk. Ah oui, il y en a toujours qui le mentionnent de temps à autre, parce qu'ils n'ont pas eu l'info ou ils n'ont pas... réétudier la question, donc c'est bien de le rementionner, je pense. Ah, et donc, au passage, petite nouvelle en direct, nous avons le patch note alpha 3.3.5G vient de sortir. Oh. Ah. Nous avons un tal.g. On va pouvoir traduire ça direct juste après. Voilà. Pas tant qu'à faire, voilà. On est là. Oh, il y aura de l'équipe qui sera en charge dessus, à mon avis. ouais, ça va rusher, je pense. Ça va aller très vite. Bref. Oui, en plus, il est tout petit. Oui. Parfait. Donc, oui, ça va aller vite. En même temps, le patch F était quand même particulièrement stable, donc il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils aient énormément de choses à rajouter. Si on s'approche d'une release, là, de toute façon. Donc, complètement. Bah oui, c'est ça. Le 23. Allez, reprenons ce charmant monsieur. Allez, broum. We have our procedural tech with, you know, rest stops and our outposts and, you know, underground facilities and, you know, basically to go right, how do we... You know, we're trying to aim to go right. Star Citizen at one point is going to have, you know, 100 systems. How do we get there without being in development for 100 years, right? We need to be able to scale up. So a lot of the past year or two really has been about what tech do we need? How do we prove a lot of this out? And I think we've seen that on the, you know, the rest stop side of things where, you know, we've showed it off and we've gone, here's a variation of it. Here's what the, you know, procedural layout tool can do in terms of you go to a rest stop and the interior may not always be, you know, the shop may not always be at the same place or that particular rest stop may not have the same shop that you're going for. So we've actually learned a lot. And this year has been about, as I said, sort of restructuring the teams and making sure that, right, you as a landing zone team, here's a pipeline. We've created a pipeline this year and, you know, it's similar to how we have on the ship side. We know, you know, pre-production, we know white box, and there's, you know, many fun, colorful boxes that I'm sure you would love, Jared, on, you know, to, you know, slot certain locations into. We make sure that we don't move into a certain thing until we've done, you know, sort of the previous steps, so to speak, right? Okay, like, you know, oh mon Dieu. An obvious one being... Oui. Mais non, donc quelqu'un la somme. Oui, mais c'est ça, mais putain, le fou, il dit à Réverbal,
Ah, il est jeune, il est britannique, bon, voilà. Ça explique voilà. Ne me demandez pas le lien logique. Non, non, c'est... mais donc, globalement, il explique tout simplement qu'ils sont en train de faire le pipeline. Voilà. Là, il a quand même dit qu'ils étaient en train d'étudier... Étudier, waouh. Oui, ils étaient en train d'étudier à quel point ils doivent scale les outils, justement, oui, parce qu'ils ont un univers complexe à faire. Et comment et le nombre gérer de leurs boîtes. Outils, à quel point ils doivent les devs, pour nous balancer 100 systèmes un jour, sans qu'on ait à attendre 100 ans. Ouais. Voilà, on est d'accord. Pas la release, ce serait bien qu'on les ait avant 10 ans après la release, quoi. Ça, c'est clair. Après, en gros, c'est ça. C'est, là, pour le moment, ils sont en train d'étudier comment est-ce qu'ils vont faire le pipeline. Donc, le nombre d'étapes qu'il faut mettre dans le pipeline, le nombre de petites boîtes, vous savez, quand on dit voilà, white box, gray box, tout ce genre de choses-là. Ouais. Voilà, là, pour le moment, ils doivent en fait définir OK, là, le white boxing, c'est quoi pour une planète, pour un système. Voilà, le gray boxing, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met? Quels sont les checkpoints les étapes de chaque étape pour dire, OK, non, en fait, là, il n'est plus en white box, il est en gray box. Donc, voilà, ça, c'est plus compliqué qu'un vaisseau, dans le sens où un vaisseau est un peu plus gros. Reste quelque chose qui existe dans le monde du jeu vidéo. Tu vois, c'est un modèle 3D. Déjà, des phases qui sont plus ou moins faciles à définir, genre gray box, white box et tout ça. Là, on parle d'un système. C'est pas juste Greybox, c'est quand t'as fait vaguement le modèle 3D. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que dans l'univers du jeu vidéo jusqu'ici, c'était bon, ben alors voilà, on a fini une planète, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que le jeu est fini et qu'on peut le sortir, ta gueule. Donc, il y a quand même pas beaucoup, enfin, quand on regarde en termes de surface, quand on regarde des GTA et des choses comme ça, et qu'on voit 16 km², 32 km², etc., ouais. etc., puis qu'on voit Star Citizen qui, dans un système, fait quelque chose qui est 15, 20, 30, 50, 2 millions de fois plus grand. Et comment est-ce qu'ils font, les gars? Ils doivent inventer un pipeline, et forcément, il y a du testing qui doit être fait, ils vont devoir le restructurer, leur pipeline de vaisseau. Je veux dire, on le voit évoluer depuis 2014 jusqu'à 2016 plus ou moins. Et en 2016, ils ont grosso merdo annoncé que c'est bon, notre pipeline, là, il est bon, il est fait. Et puis après, ils ont quand même encore développé des nouvelles technologies, ils ont rajouté des étapes. Donc, surtout au niveau des planètes, il faut gérer la génération procédurale, parce que jamais un développeur sera capable de voir tous les endroits d'une planète ou d'une lune. Donc, il faut avoir un système capable de générer des paysages réalistes, crédibles, et qui génère peu ou pas d'erreurs. C'est ça. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile. C'est délicat dans l'histoire, parce que dans l'état actuel, voilà. Focus là-dessus. Ils ont une génération procédurale qui est quand même assez impressionnante, même si t'es pas fan d'exploration, elle peut être répétitive. Et même si c'est impressionnant, il y a quelques problèmes par moment, quoi. C'est des trucs qui apparaissent sous le sol, des montagnes qui se coupent un peu brusquement. Et voilà, quoi. C'est un risque de Star Citizen, dans le sens où les développeurs pourront jamais voir tous les endroits. Genre, si vous partez explorer Hearthstone sur la 3.3.5, vous pouvez trouver un endroit que personne n'a jamais vu. Rien qu'à l'heure actuelle, oui. Ouais. Voilà, c'est... Donc, c'est le gros souci qui est un gros procédural. C'est le gros souci qui est un gros procédural, de toute façon, c'est que il y aura forcément des erreurs qui seront développées par le process à un moment ou à un autre. Il y a une dose de non-contrôle, en fait. Exactement. Donc, ça nécessite forcément que, pour que ça corresponde, c'est un peu ce que je disais dans le chat, aux standards qualitatifs que CIG s'est imposé, ça nécessite forcément de retravailler derrière. Donc il ne suffira pas simplement de générer procéduralement, ça ne leur ira pas, ça ne nous ira pas, et ce n'est pas ce qu'on attend de la part du jeu. C'est aussi pour ça que ça prend du temps, et que ça nécessite pour eux de devoir comprendre quel sera le process exact et le plus adéquat pour développer des planètes de manière vraiment presque industrielle, au final. Donc c'est complètement le bordel, et on les comprend. Ils s'appuyaient tout à l'heure sur l'exemple qu'ils avaient utilisé pour le pipeline des vaisseaux. On y revient au final, parce que c'est le seul qui est fondamentalement rodé au final dans l'histoire. Mais voilà, leur but à eux, c'est d'arriver à avoir quelque chose de similaire pour les planètes. On n'y est pas encore, et je pense qu'on y sera qu'une fois que Stanton sera clairement défini et terminé. Mais en fait, globalement, la question est intéressante, mais elle est prématurée. Tu peux pas demander à un développeur, OK, combien de temps vous allez avoir besoin pour un système, alors que les mecs, ils ont fait 20% de leur premier système. C'est un peu trop tôt, les mecs, je comprends, mais voilà, pour le coup, cette question-là. Ils peuvent pas spéculer, parce que s'ils disent un truc, après, il y a des gens qui gueulent. Donc, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on va le laisser continuer à broder, hein, mais là.
Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ce qu'il va potentiellement dire. Ouais. On va bien voir. On va voir ça. Making sure there's a level design document before moving on to the next bit, and making sure there's, you know, pre-approved concepts. Everyone's on the same page on what, you know, characters, mission givers, and, you know, bartenders we're going to have, what are going to be in all the shops. Mm. So that's always, you know, is, you know, it sounds a bit obvious when you think about it, but it's sort of like you pull everything together and you make sure, right, as a company priority, you want to work on CBD, you want to work on Area 18. What does it mean? Get it out there, and there's actually stuff to do, and everything's sort of been considered about, right? I think one of the a good example being sort of our landing zones at the moment, where you have, you know, we put a schedule in place for Lawville, and we're like, ah, we have to consider this and this and this and this. And this year we weren't right. You know what? We actually need to start making common elements. So common elements are things like hangars and habitation rooms or transit. And essentially, it's areas that we can make once. And let's say we have a utilitarian space station, and if we have the hangar, we can plug it into another utilitarian, you know, like a landing zone, for example, right? Mm-hmm. And anything that needs that hangar, we can sort of reuse that. And if we wanted to make a high-tech version of it or a super modernism version of it, we could basically go and create that visual archetype for that, knowing, you know, we've done the design for it, we know the metrics, we know what goes into it, and now it's just simply, you know, skinning it from an art point of view. And basically all that is to, so we can speed up development later down the line. So when we move on to, you know, something like Terra, we can start creating the sort of common elements for that area. And then we go, right, we simply plug them into the sort of certain areas, and then everything that's unique to the area is still very unique. And, you know, it's, We've learned a lot on that side. Like, if you look at Area 18 now, we didn't know previously that we wanted to have a transit system and, oh, you know, a spaceport in Area 18, right? Mm. But now we do, based on all the lessons we've learned on Lawville, and based on what Chris, Aaron, Todd, you know, and Tony, sort of everyone sort of, you know, is wanting to aim for as a vision for the game. And we're taking it into account now. So, you know, even just a year ago, that wasn't a thing for Area 18. It wasn't a thing when Area 18 was in the game initially. And now that we're sort of reconsidering it, we're even learning things in terms of, right, to make it run really well, there's changes in layout. And we've learned a lot on sort of how to optimize our landing zones as well to make sure that, you know, there's a Kiro, much better... petite... Ouais. J'ai réussi à suivre, c'est bon. Donc, globalement, ce qu'il explique, c'est qu'il balance des exemples pour montrer que chaque petit truc est une sorte de mini pipeline qui se met en place, et que ça permet de découvrir que, par exemple, quand ils ont fait leur ville, ils doivent créer ce qu'ils appellent des éléments communs, donc les métros, les hangars, les espaces d'habitation, et que dès qu'ils ont ça, en fait, ils développent le processus en même temps, et quand ils doivent, par exemple, faire Microtech ou Terra, et qu'ils doivent refaire un hangar, ils savent comment ça se fait, ils peuvent juste pop le hangar industriel de leur ville, le reskin, pour avoir un truc d'unique, et voilà. Et si jamais, par exemple, ils ont une habitation industrielle sur une autre planète, ils peuvent pop celle de leur ville, la refaire légèrement pour que ça colle à l'univers, et voilà. Donc yep. Ça fait que ça accélère le développement, et derrière, il explique aussi que ce qui fait que c'est dur de répondre à la question en tant que telle, c'est que plus ils avancent, plus ils découvrent. Genre quand ils ont fait la démo en 2017 de Hardcorp, ouais. On avait la zone comme d'habitude, on sortait sur le landing pad et ils décollaient. Mais avec leur ville, ils ont découvert que, ouais, un spatioport pour Hardcorp, ce serait pas mal, avec plus de deux landing pads et un système de métro pour y aller, ça serait pas mal aussi. Donc ils découvrent des trucs au fur et à mesure, et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est difficile de faire une estimation. Et il a aussi confirmé le spatioport et le métro sur Area 18 qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, donc ouais. Un peu exclusif. Et ça, j'aime bien. Et ça, c'est cool, effectivement. Mais globalement, en fait, oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ils expérimentent, ils découvrent le truc. Et effectivement, quand aujourd'hui, ils se disent « Ah, ben tiens, si on mettait un métro pour leur ville », et qu'ensuite, ils se disent « Ah, mais en fait, c'est bien cool de se dire qu'il nous faut un métro, mais il faut le faire, et il faut les mécaniques pour le faire, etc., etc., etc. Et Dieu sait ce qu'ils vont nous inventer. Pour Microtech, ils ont bien expliqué. Microtech, on pourrait la sortir demain, le problème qu'on a avec Microtech. C'est qu'il nous faut tous les shaders et tous les programmes de gestion de la neige. Et comment est-ce qu'on fait pour que la neige s'accumule sur nos shaders? Comment est-ce qu'on fait pour que les branches ploient et cassent éventuellement dans des arbres, par exemple?
sous le poids de la neige. Donc ça, la réfraction de la lumière au travers de la glace, etc., etc. Des trucs comme ça, ben ouais, ça on l'a pas fait. Ah ben donc du coup, ok, cool. Les mecs, ça, il faut le faire. Donc avec toutes les idées à la con qui vont naître de toutes leurs idées à la con, ben chaque fois ils doivent rajouter des trucs. Donc en fait, je pense que l'idée qu'il faut se dire et le grand principe de base, et à mon sens, c'est la seule réponse qu'on peut donner et qui détaille en fait largement en long, en large, en travers, à l'heure actuelle, c'est que plus ils en feront, plus ça ira vite. C'est ça. Parce que plus ils auront des assets et ils auront déjà développé tout ce dont ils ont besoin. Rien que le métro, genre Terra, on sait depuis très longtemps, même avant les planètes procédurales, qu'il y allait avoir un métro. Ouais. Et ça, c'était avant même les planètes procédurales. Moi, ça me paraissait assez abusé et quand même impressionnant. Et ben, on en a un dans leur ville. Ils ont déjà un truc de fait pour Terra. C'est, ils ont le système. C'est ça. Plus qu'à reskin. Donc, comme tu as dit, tout ce qui est fait maintenant, tout ce qu'ils découvrent, c'est pour le futur, pour aller vite. Voilà. Oui, voilà. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça, en effet. C'est un peu ce que disait donc Crazy Bob dans le chat. Salut à toi. Ils font leurs armes avant d'engager la bataille. Je trouve que ça résume plutôt assez bien. Oui, mais complètement. C'est ça. Complètement. Et c'est la même chose, en fait. Enfin, on martèle un petit peu les choses, mais c'est la même chose avec le pipeline des vaisseaux. Oui. Les gens qui gueulent parce que oui, mais le 890 Jump n'est pas encore sorti. Oui, mais il y a la série 100 qui est sortie, il y a la série 300 qui est sortie. Et parce qu'ils ont fait des éléments de design pour ces vaisseaux-là qui sont plus petits et donc qui sont plus faciles à faire, mais qui les forcent à se poser les bonnes questions par rapport au design, qu'est-ce qui fait qu'une marque est unique, ils peuvent reprendre les assets de l'un pour faire les autres. Et donc, le premier vaisseau Shian ou Vanduul qu'ils ont fait leur a pris énormément de temps parce qu'ils ont dû se poser toutes les questions justement de ok, qu'est-ce qu'un vaisseau Shian, qu'est-ce qu'un vaisseau Vanduul, Banu a de particulier par rapport à un vaisseau humain, tout comme qu'est-ce qu'un vaisseau RSI a de particulier, qu'est-ce qu'un vaisseau Origin a de particulier. Mais une fois qu'ils ont défini ça et qu'ils ont les bases et qu'ils ont certains éléments modulables qui peuvent juste copier-coller, et ben là du coup les vaisseaux vont de plus en plus vite. Donc, les planètes, ce sera par exemple, c'est faire un LC avec les grilles physiques qui bougent, dès qu'ils ont fait le LC, le D, le E, ils vont pop comme ça, quoi. Oui, mais complètement, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est prendre en fait, son temps pour aller vite. Voilà, c'est ça, c'est prendre le temps de gagner du temps. Ouais. C'est, voilà, il n'y a rien à faire. T'apprends à marcher sans tomber avant de sprinter, quoi. C'est la meilleure méthode. C'était un des rares slogans cool que SNCF avait sorti, prendre le temps d'aller vite. Ah bah oui, voilà. Bah, écoute, c'était l'anecdote prendre inutile. prendre le temps de gagner du temps, c'est un slogan qu'il y a souvent en RH. Quand on veut illustrer le fait qu'il faut accueillir les employés, qu'il faut les former correctement, etc., et qu'il y a plein de gens qui disent « ouais, mais ça prend du temps de former les nouveaux ». Ouais, mais du coup, tu ne dois plus passer derrière pour corriger toutes les erreurs, et c'est prendre le temps de gagner du temps, il faut investir dans la formation. Voilà. Bon, le problème de SNCF, c'est qu'ils ont gardé que le début, prendre du temps, mais ça, c'est ça. C'était un petit tir gratuit. Voilà. Allez, reprenons avec Monsieur Moulin parole. Reprenons. So there's a lot. I mean, I know sort of going a bit of detail there, but if you like even something like, you know, like a system, right, to consider you have a big system versus a small system, something like Pyro, which is you're sort of less inhabited, it's more planet based versus something to, you know, something like Terra, which is a lot more populated, it has multiple landing zones, even just on sort of one planet, right? It's a lot more complex than something that we've done before, and you know that. Based on everything we're learning now, we can take that into account in the schedule. Even down to space stations, we know how to do a space station. We know how to do an outpost. We know how to do an underground facility, right? And now we can go right. Let's make a utilitarian version of an outpost, right? And then we can put it into the correct system. We can make a super modern version of a space station, and then it'll go in the correct system. And you won't be left in going into a nice shiny, we're going into Terra seeing sort of old style space stations. You want to see what you sort of come to expect. Profite qu'il fasse une pause un peu. il dit la même chose, mais par rapport aux installations souterraines, par rapport aux avant-postes. Oui, c'est dur de faire un pipeline quand tu as un système avec des landing zones, un autre où il n'y a que des planètes où il n'y a rien. Ouais. Exactement.
Alors, je préviens, le chat, il continue à parler jusqu'à 17 minutes 24. Hein, donc on va résumer grossièrement parce que pour l'instant, il se répète en faisant différents exemples. Si jamais il y a des infos exclusives, on sautera dessus. Oui, voilà. Ça sera vraiment le plus simple à faire, je pense. Oui. Donc n'hésitez pas à m'interpeller pour mettre en pause, messieurs. And it's also, you know, right now, is sort of to elaborate on the fact that we did split the resources in terms of, you know, being focused on specific teams, but it's also about going, right, we actually want more teams so we can do more. We have one landing zone team, but two, you know, and we want a third one. And then we can have multiple things in development at the same time, but a lot of that is depending on our current hiring rate. Right. And we are having probably the biggest push towards hiring. We've done quite well this year. And yes, we have. We have indeed, and obviously we're trying to make sure that Squadron have everything they need as well. So the sort of, you know, the, you know, they finally have, you know, we've given them what they need, and now we're going, right, let's hire everyone we need to basically make the game that we're sort of envisioning on that front. And I think sorry, rejecting calls. And I think, you know, I think once we get into the motion, you know, if you take an LZ1 team, for example, they have a backlog that they're working from. And right. Once we get through their task list, we can build up the team velocity, so to speak. And then we know how quickly they get through, you know, one landing zone, one space station and whatnot as a team together, and not just let's make art. Oh, and then design jump on it. Oh, then tech art jump on it and tell us what we need to change. Oh, and then we go back to art. Yeah. And, you know, I'd say now we're following a pipeline and doing it properly. So use the word velocity, and the word I like to use is momentum. Momentum is so important in game development. It is we've now built our first one, and that took this long, however long this was, and the next one, hopefully, if we're doing everything right, will take this long because of what we learned from the last one, and the one after that will take this long, and the one after that will take this long. So c'est exactement ce qu'on disait. I think the short version of how long do we think it'll take to create a solar system is, one, it depends on what the solar system is, because they're not all solar systems are created equal as far as their needs. C'est trop mignon. Where it falls on that platform, because every time we do this, we're going to get better, and we're going to get more efficient at it. So, how long? Less than the one before it. We feel safe with that? C'est une bonne réponse. I think that's a very fair assessment to make, but at the same time, it's, we're probably adding more in than, you know, if you area team the very first time we went in the game. C'est quoi ça jouer maintenant, Isabelle. Lawville is now. There's a lot more, but as you said, it's necessarily more time because we actually know how to build it. We have a pipeline, and we're doing them a lot quicker than we have ever done before. Mm-hmm. Even looking at the schedule and how much we have just of last year, if the community, you know, sort of realized, oh, how much did we actually make last year compared to how much we're making this year? Even on the ship side, like everything, we are getting a lot quicker, and you can definitely expect that into next year as well. Cool. All right. Il a fini sa phrase. Wow. Il a mentionné quelques trucs par rapport au fait de l'emploiement de nouveaux salariés, de nouveaux développeurs. L'emploiement. L'employitude. Oui. L'employitude. L'employitude. L'emploisonnage. J'ai raté mes études, c'est pas pour rien. Je meurs. Je me petit suicide en direct. Pour les bars. Ce qui est con pour un Belge quand même. Pardon. Ils embauchent plein de nouveaux gens parce qu'ils font plein de trucs et. Et il se répète beaucoup, mais c'est quand même intéressant de voir que le mec, il s'arrête pas de parler parce qu'il est passionné, et ça, c'est bien. C'est clair. Oui. Non, mais ça, par contre, je sais pas ce qu'il boit, mais il devrait arrêter. C'est un mec qui fait des heures sup sans râler, ça, tu vois. La passion. C'est parce qu'il est dans le milieu du jeu vidéo, ça. C'est la passion. Oui. Ils ont pas le choix. Oui. Bref, Suntiem, au final, pour ta question. Non, ouais. c'est pas Suntiem, c'est juste que ça ira de plus en plus vite. C'est de plus en plus vite, ouais. Plus vite que le précédent. Voilà, c'est tout. C'est, finalement, ils ont pas de réponse parce qu'il y a pas une réponse complète pour tout le monde. Ça dépendra du système, du moment, des gens qui peuvent mettre dessus. Enfin, plus rapide qu'hier et moins qu'on aura les systèmes, en fait. Mm-hmm. Ça dépendra surtout dans quel ordre ils veulent les faire, tout simplement. Ah. On a une réponse un jour, mais pas aujourd'hui. Exactement. That's it, Luke. Above and beyond, man. Above excellent, and beyond. Excellent. Thank you so much. I'll let you get back. No worries, I need time for you, Jeff. All right. Cheers, mate. Take care. All right, thank you so much. And now last but certainly not least, we are going to our own Keegan Standifer out of Austin, Texas studio, who's going to talk to us about our new telemetry page. Keegan, how you doing, man?
Good. How are you, Jared? I'm all right. I got a question for you. Now, normally these questions come from our thread. We collect them and then I'm calling an audible. I'm inserting my own question this week. It's still from the community. It's with 3-3. When 3-3 dropped, we introduced our brand new telemetry page, which Chris debuted at CitizenCon this year. I want to ask quite simply, how does that work? So one of the... Ok, alors avant de traduire la question, ouais. Un détail, plus que 10 abonnés pour que Dayum atteigne les 20 000. Yay. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Notre opération Gilets jaunes n'a pas bien marché. Allez, 10 abonnés et Dayum est à 20 000. Est-ce que tu ferais pas un petit quelque chose à 20 000 pour motiver les gens peut-être? C'est affiché là, voilà. Ouais, mais c'est mieux de voir ta tronche quand même. Tu es plus sexy que ce joli chiffre, si sexy soit-il. Oh. Oui, parce que non, je vais rien dire. Parce que si tu vas en tout cas dire que je m'attaque au capillaire, ça va pas le faire. Voilà, pour chaque nouveau abonné, Dayum enlève un vêtement. Exactement. On ne dit pas, c'est qu'il porte 40 t-shirts. Mais oui, voilà. Et 14 paires de chaussettes. Au moins. J'ai plusieurs couches. Comme les oignons. Pelé, donc. Tous ces sketchs à tiroir. Exactement. Oui, c'est ça. Bah, il fait froid, on se les pèle. Palam pam pam. Du coup, sur ce calembour, est-ce que tu ferais quelque chose pour les 20 000 ou pas? Messieurs, dames, le mot est mort. Non, j'ai rien prévu. Eh bien, sachez-le. Okay, alors, qu'est-ce que dames, tu fais? Dayum n'a rien de prévu. Voilà, c'est les 20 000 vont arriver, je vais le mentionner en vidéo, je vais faire « Au fait, merci », puis voilà, je vais continuer de travailler. Et tu vas pas faire une fac ou un truc comme ça? Ben non, la dernière fois que j'ai fait une fac, il n'y a pas eu de question. Bon. La tristesse. Bon. Non. Je fais plus des FAQ, moi, c'est mort. Mais si. Partie de Dayum est mort, ce jour-là. Plus que 9, les enlève le sweat, on dit, dans le chat. Voilà. Ah. Non, mais j'ai froid, je peux enlever mon sweat. Si tu fais une fac, de toute façon, on fera chier les gens pour qu'il y ait des questions, sache-le. Bref. On posera des questions fictives, même. On demandera à Jared de trouver des questions ici. Ah, 8, plus 8. On mettra en pause, de toute façon, même s'il y a une trade en cours, on mettra en pause. Ah oui, c'est affiché à côté de moi, je le dirai quand c'est bon. Eh ben voilà, parfait. Non, alors, ils vont se désabonner au dernier moment, tu vas voir. Comment... Attends, j'essaie de voir ce que je peux faire. Parce que si toi tu fais rien, c'est tellement la misère. Moi, on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dayum? Ah, c'est toi le chef. Oui, il paraît, oui. On pourrait dire un câlin, mais ça fait loin. Ouais. Une FAS, une foire aux spéculations. J'avoue que c'est pas mal comme la face. Ça pourrait être un concept intéressant, remarque. Franchement, dans ta face. Tu remercies Quincy pour l'idée. Pendant que Silky cherche, du coup, la question est quand même assez simple. En fait, j'ai possiblement un truc. J'ai le goodie pack de la Citizen Cup. Ce qui permet d'avoir du coup le trophée et l'arme qui a été faite durant la Citizen Con. Tu vois, un goodie pack de la Citizen Con, c'est quelque chose que j'aurais pas envie d'offrir maintenant. C'est quelque chose que j'aurais envie d'offrir à la prochaine Citizen Con. Parce que ça, ce sera un cadeau putain d'exclusif. Ouais, ça mais bon, défend. Voilà. Ça se défend. Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je suis... Déjà, on va attendre les 6 qui manquent. Ouais, voilà, il en manque 8. Bon, le but, c'est de les motiver. Moi, je suis... Moi, voilà. Si ça arrive avant la fin de... Du coup, Kiro, tu prépareras le petit... Le petit software et on fera un petit concours. Allez, pas de problème. Si Dayum atteint les 20 000 abonnés ce soir, on fera le petit giveaway. Exactement. Allez, abonnez-vous. Et avant ça, nous avons une question à traduire quand même. Ouais. Oui, faisons ça. Même. La question pour le coup, quand même, somme toute assez simple. Comment fonctionne la nouvelle page de télémétrie? Si vous n'êtes pas au courant, en tapant robertspaceindustry.com/télémétrie, tout simplement. Vous pourrez avoir une magnifique page vous indiquant les performances relatives de votre ordinateur à condition que vous soyez logué en comparaison à plus ou moins une grande partie de la gamme d'ordinateurs des différents citoyens dans le tas, au final, qui sont en train de jouer. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut donner en termes de performance, avec quel processeur, quelle RAM, quelle carte graphique, afin de savoir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser pour obtenir telle ou telle performance. Ça permet de voir comment SC va tourner sur ton PC sans lancer le jeu. C'est ça. Et éventuellement de savoir qu'est-ce que tu dois acheter comme composante de PC pour si tu veux faire tourner SC correctement ou avec la performance que tu veux.
Exact. C'est ouais, la meilleure réponse aux questions. Il faut quoi comme PC pour faire tourner ST qu'on se prend. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Va voir la télémétrie et fais pas chier. Darn. Je tiens quand même à préciser que cette page n'est accessible que si vous êtes abonné à la chaîne de Dayum. Par contre. Il faut aussi regarder des pubs sur Utip. Voilà. Le Dayum et faire un. Et faire un don sur le Tipeee de la Trad Team, n'est-ce pas hein, exactement. Qui... Et aussi ah, voilà. De Dayum, au-dessus de 2-0, hein, sinon ça marche pas. Hein, c'est... On demande si on peut remettre voilà. Le lien de la chaîne de Dayum, mais bien sûr qu'on peut le remettre tout de suite, des deux côtés. Hop, et voilà, c'est fait. Allez, enchaînons incroyable. Du coup. Qu'en est-il de cette télémétrie? Comment ça fonctionne? Raconte-nous tout, monsieur qui ressemble à un personnage de Game of Thrones qui passe un très très mauvais moment avec une saucisse. What? Ouais, enfin bref, c'est... Ne dis pas de spoil. Hein. Non. Ouais, pas de spoil, parce pas que tu spoil. Te plains des spoils avant le lancement du truc et tu balances des trucs comme hey, ça. Ça hein. Remonte à il y a quelques années, il y a prescription quand même. À un moment. Il n'y a pas de prescription sur les séries de ce type. C'est pas tout à fait faux. Cela dit, j'ai pas dit grand-chose. Pour ma défense. Allez. Most common questions that we get is about performance in our game and what it takes as far as hardware to run a game that's so demanding like Star Citizen. We used to generate sort of minimum and recommended specifications as a guideline that we could distribute out to our players so they could kind of generalize how they should build their machines or what kind of hardware they would need to run our game. Now, previously, this worked to an extent, but we wanted to refine this process and give the players more insight into this data. So, we've taken some of the data that we collect when it comes to performance, like your frames per second, as well as the hardware that players have. And we've summarized this in an interactive graph that players are able to view to see where certain performance falls in respect to things like your CPU and your GPU. Now, when you log into our website... On va commencer petit à petit quand même. Donc, pour faire simple et pour schématiser, ils ont tout simplement fait des statistiques. Ils ont collecté les performances des différents ordinateurs, l'une des unités de base étant par exemple le FPS, hein, le frame per seconde. Et ils ont fait matcher ça avec les configurations des différents joueurs qui avaient ces performances-là, majoritairement tout ce qui est CPU, processeur et GPU, carte graphique. Pour la majorité des... Et donc, ils ont schématisé le tout dans cette espèce de graphique qu'on a sur le site internet et qui finalement, c'est des statistiques, en fait. Voilà, ils ont fait tout simplement des statistiques. C'est pas une prévision, c'est vraiment des statistiques sur l'état actuel. OK. You're able to look at your own summary of your performance and hardware and that's generated from the data that you send during your gameplay session. And then compare that against other players. So you can see exactly where your specific machine falls against those with very high range CPUs as well as the average. And the same thing goes for GPUs. Are you excited to finally get this out into players' hands? Yeah, I definitely think our player base is very data oriented. They like seeing the numbers. They like knowing, you know, exactly kind of how things perform in comparison to stuff. And they want to be able to make the best decisions and well-informed decisions about things like hardware. And I think this definitely falls in line with their ideas. Hmm. Bah là, en gros, il explique que ça permet en plus, enfin, ça permet voilà, de se comparer finalement aux autres, de comparer sa configuration. C'est qui a la plus grosse, quoi. Non, mais au-delà de ça, en fait, ça permet tout simplement de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans tel ou tel truc ? Qu'est-ce que ça va m'apporter réellement pour ce jeu ? Ouais, j'avoue qu'un des premiers trucs que moi j'ai regardé en télémétrie, c'est les différences au niveau des cartes graphiques. Et là où j'entendais tout le monde qui disait ouais, les 2080, c'est beaucoup trop cher, ça vaut pas la peine, etc. Putain, quand tu vois les meilleurs perfs. Toutes les meilleures perfs, c'est des 2080 Ti. Et tu fais, OK, d'accord, donc ouais. donc, en fait, si. Ça peut valoir le coup, exactement. Ça peut valoir le coup de suivre ça au fur et à mesure de l'évolution, parce qu'effectivement, comme c'est des statistiques, c'est l'état actuel du jeu. Donc, au fur et à mesure des optimisations, on devrait soit voir les différences s'élargir, soit peut-être, ou plus probablement, les différences s'amenuiser. Complètement. Diminuer. Ça va permettre de suivre l'évolution du framerate en fonction des mises à jour, et ça, c'est bien.
Et oui, ça, c'est plutôt pas mal, effectivement. Si on pourra revenir genre dans 5 ans sur la 3.2, voir nos 25 images secondes et arriver sur la 7.3000 et voir qu'on est à 140, ce sera beau. Sachant que de toute façon, on le rappelle, l'optimisation, alors dans le cas de l'OCS, c'est assez spécifique parce qu'ils avaient besoin de cette technologie-là pour pouvoir implanter Hearthstone à minima, ainsi que tout ce qui peut en découdre du coup. Mais de toute façon, l'optimisation d'un jeu est une étape qui se passe vraiment en partie, on va dire, plus ou moins finale du développement d'un jeu vidéo. Donc, à l'heure actuelle, ce qui tombe sur ça commence au milieu et ça continue jusqu'à la fin. Ouais, ça paraît logique après que tu optimises au fur et à mesure pour pas avoir trop à faire et avoir un bordel de taré sur la fin. Il y a un gros bout à la fin quand même. C'est ça. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle avec l'alpha, même si on a de très bonnes performances avec le CS, ça ne reflète absolument pas les performances que l'on aura avec un jeu fini. Pour en avoir bien conscience. Après, voilà, vous ne pouvez pas non plus attendre à faire tourner Star Citizen avec une patate. Hein. Pour le coup, c'est clairement pas prévu. Il se lâche. Alors écoute, quand même, je tiens à dire que les pommes de terre, ça donne les frites, ça donne les chips et ça donne la vodka. Ça donne vraiment l'impression que aucun autre légume essaye de faire quelque chose de sa vie. Quoi. C'est la triptyque de la vie. Quoi, c'est... Alors, commence pas à amener les légumes dans tout ça. Il y a un gros débat dans le méga protectorat. Hein, donc, oui, c'est vrai. La guerre légumineuse. Ah, à l'origine, il y avait les aubergines, puis les ananas qui sont arrivés en usurpateur. Maintenant, il y a trop. On fait des salades. Il y a même des licornes en plus, donc on est perdu. On va plus en sortir. Je dis ça, c'est patate, parce que c'est une bonne expression. C'est vrai. Je dis ça parce que c'est une petite référence, mais de toute façon, la patate, c'est la vie. Oui, complètement. Et l'Omega Protectorat, on leur fait de gros coucou, et surtout à leurs recruteurs en ce moment. Bonne chance, n'est-ce pas ? Ils doivent transpirer. Beaucoup de courage et de cœur et d'amour à nuit artificielle sur vous, les gens d'Omega Protectorat. Voilà. Mangez des patates. Si vous avez trop de recrues, vous pouvez nous en envoyer à la Tratim, on recrute aussi. On va vous les calmer d'ailleurs. Oui, moi, je suis en train de lire déjà, il faut bien lire la charte, et il y en a, ils le font pas. Ah, donc, oui. Bah, ceux-là, nous les envoyez pas du coup. Un test de base, ouais, parce que. Ah, tu ne sais pas lire, c'est dommage. C'est dommage. Pour revenir à la question, il a quand même précisé que s'ils ont mis en place ce dispositif, cette fonctionnalité, c'est parce que nous sommes quand même dans un sous-système. Nous sommes dans une communauté de gens qui aiment les chiffres, qui aiment les données, qui aiment les stats, pour paraphraser. Et du coup, voilà. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'on aime, en plus de se comparer les gros kikis, on aime les stats, on aime les mesures, on aime ça. Et je serais bien le dernier à pouvoir dire que c'est faux. Oui, voilà, j'allais dire, moi, c'est pas moi avec mes tableurs Excel dans tous les sens qui fait pour moi. Et voilà. Au passage, il manque encore 7 abonnés. Oui, nous sommes nés pour cet homme. En fait. Exactement. 7 petits abonnés et on fait un giveaway. Sinon, voilà. Vous n'avez pas de cadeau. Exactement. Mangez des patates. Ou peut-être plus tard. Allez savoir. Allez, achevons-le. It's very cool. I think my exact quote the first time I saw it was, "This is fucking cool." And we'll see if I bleep that or not. All right. Oh, il a pas eu à bleeper. I'm gonna let you get back to work, Keegan. Thanks so much. Ah, no problem. C'est right, take care. Well, that about does it for this week's show. A special thanks to Todd Pappy and Luke Davis and Keegan Stander for taking their time to be here on the show with us this week. Remember to submit your questions for consideration each and every week. Et l'habituel blabla, on vous encourage bien sûr. Si vous parlez anglais, allez sur le Topic Spectrum dédié à Gringo Dev. Well, you're going to see it. I'm not going to spoil it. Et posez vos questions. We'll be back in 2 weeks with another episode. Et essayez de poser des questions qui sont actuelles avec l'air du temps et pas des trucs qui sont répondus par on saura dans le futur. Des questions comme ça, c'est la voix qu'il faut les poser. Très bien dit. Bon, bah c'était pas trop mal tout ça, dites donc. Bah, non, elle était voilà. Il y avait du bon, il y avait juste une question, voilà, un peu trop longue, ouais. Hey. Mais... une réponse un peu trop. Oui, la question en elle-même était plutôt succincte. Ouais, c'est le petit Luc qui a pris du temps. Mais il avait des choses à raconter au moins. Ça avait le mérite d'être quand même particulièrement intéressant. Oui, oui. C'est pour en fait. Indéniable. Pas l'emblâmer. Bon, petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? Commençons par toi, Dayou. Bah moi, je trouve que c'était bien. Les questions étaient intéressantes. La question sur le système, ça m'étonne pas qu'on n'ait pas une réponse claire vu le moment. Mais voilà quoi. C'est la première question. C'est quelque chose que c'est cool qu'on ait une réponse parce qu'au final, on n'en avait pas eu depuis longtemps. Mm-hmm. C'est quelque chose qui était toujours un peu dans le doute.
Et bah maintenant, on n'aura plus à spéculer dessus. C'est quand tu sors de ton vaisseau, tu continues à voyager avec s'il n'accélère pas. Et si ça ne le fait pas, c'est un bug. Maintenant, au moins, c'est défini, c'est clair, ça a été dit. Et c'est réutilisable comme source pour tous ceux qui ont un doute. Donc ça, c'est cool. Ça me paraît être un peu gros quand même, le fait de pouvoir, en vitesse de croisière, à, comme tu disais, 1000 mètres secondes, pour reprendre ton exemple, pouvoir sortir gravité autour de ton vaisseau et pouvoir faire la réparation, ça me paraît quand même un peu gros. Pourquoi mais ça serait gros? Quelque part, c'est déjà ce que font les astronautes à l'ISS. Donc... Mais à la base, la vitesse n'a rien à voir, c'est l'accélération qui est douloureuse. Oui, oui, c'est l'accélération. Parce que les gens dans l'ISS, ils sont à je sais pas combien de milliers de mètres secondes autour de la Terre, ils font 24 000 km/h. Ils n'ont pas de problème. C'est vrai. Bon, si jamais ils vont dans l'atmosphère, ils vont brûler un peu vite, mais ça, c'est un autre problème. Ok, donc constat global pour toi, positif, de fait. Oui. Silky. Oui, complètement. Oui, je suis d'accord. Merci. Voilà, non, j'ai globalement très chouette aussi. Comme je disais, outre la réponse un petit peu longuette et pas hyper informative au final. Enfin, c'était hyper détaillé pour au final pas dire grand chose. Ouais. Ben, à côté de ça, intéressant, effectivement, l'aspect momentum, physique, etc., c'était intéressant aussi. Mm-hmm. Donc, ouais. Et d'armes, du coup ? Ouais, comme à chaque fois, je trouve que les questions étaient intéressantes. Je trouve qu'ils s'améliorent d'émission en émission au niveau de la pertinence des questions. On a beaucoup moins de soutien et un peu plus... Ouais. Peut-être que les questions sont plus filtrées et c'est plutôt appréciable sur cet aspect-là. Et les questions ce soir étaient intéressantes, de même que les intervenants. Et notre intervenant du milieu qui a brillé par sa passion, effectivement, par contre, pourrait se permettre un peu de raccourci, mais au-delà de ça, c'était très bon. Voilà. Au passage, mon petit Kiki, mon petit Kiki, mon petit Kero. Mmh. Je ne suis pas petit. La Terre se déplace à plus de 107 000 km/h. Ouais, donc j'étais loin. c'est ça. 30 000, plus de 30 000 km/s. Ouais, c'est 30 000 km/s. Donc, en fait, au final, tant qu'il n'y a pas d'accélération, nous, on le vit très bien, nos 30 000 km/s. Oui, donc on fait déjà des réparations à 30 000 s à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est comme ça. Je fais la vaisselle à 30 000 s. Wow. Ça rend le truc vachement plus épique. C'est beaucoup plus métal. Si on veut rendre le truc un peu plus épique, on parlait de chiottes tout à l'heure. Mon Dieu. Et moi qui étais en train de me dire que soudainement me gratter les couilles prenait une toute autre dimension, tu vois. Enfin, c'est. Non, mais ça n'a rien à voir avec la vitesse des choses. Je ne veux pas savoir quelle dimension tu prends et dans quelles conditions. Pas ce que tu disais en off. That's not what she said. Exactement. Bon. Et bien voilà qui conclut ce petit Calling All Dev, du coup, on a fait le tour, c'est plutôt sympathique. À combien d'abonnés sommes-nous du côté de Dayum, qui aura finalement servi de fil rouge à cette émission? Il en manque 7. Il en manque 7? Ah, sérieusement? C'est triste, quand même. 7 personnes. Seriously. Allez, je vous reposte une dernière fois le lien de la chaîne de Dayum sur Twitch. YouTube, il l'aura encore à jour. Voilà, il manque encore 7 personnes, et si 7 personnes s'abonnent à la chaîne de Dayum et qu'on atteint les 20 000 abonnés, enfin, qui l'atteint, les 20 000 abonnés? Oui. Un petit giveaway. Un beau giveaway sympathique. Pour marquer le coup, malgré 30 000 km/h quand même, ton giveaway. Je veux dire, c'est quand même... Ah, on va faire un giveaway à 30 000 km/s. Pardon, excuse-moi, j'étais sûr. Ça va encore plus vite, hein. On va vous laisser de la marge. Je vous propose, pas filer, messieurs, si vous êtes OK, qu'on attende jusqu'à, allez, 23h05. Grand max. Allez, 23h05. Vous avez. C'est... Non, mais c'est vrai, on peut en faire des choses. Non, mais attends, et Kiro, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais t'inquiète pas. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. On peut refaire un petit point sur la couverture qu'on va faire avec SPN. En effet, c'est pas mal de le rappeler. SCFR par rapport à la semaine de vente anniversaire. On peut reparler du fait que ce Calling All Dev sera probablement résumé à l'écrit par nos bons amis de Citizen TV, mais également par Roxylar Rotul en vidéo, et que également simultanément à nous, Zonimir a également fait plus ou moins le même travail. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut rappeler le programme de la semaine aussi. Ben écoute, vas-y, je t'en prie.
Donc, comme Silky l'a si bien dit, on vous le rappelle, si vous voulez différentes visions de ce que nous venons de faire, bien sûr, il y a Zvonimir qui le fait. Bien sûr, vous aurez les résumés vidéo de Roxy la Rotule qui a dû très probablement déjà le sortir parce qu'elle est d'une efficacité quand même assez folle. Ainsi que nos chers amis de CitizenTV.fr qui font bien sûr à chaque fois un résumé écrit et qu'on vous encourage très vivement à aller voir. De notre côté, deux choses à rappeler en effet. Déjà le programme de la semaine et suite au programme de la semaine, le petit dispositif qu'on a mis en place. Déjà, chaque lundi, vous le savez, c'est Calling All Dev ici même. Le jeudi, vous pourrez retrouver la grande, la magnifique, la sublime, l'explosive, oserais-je dire, j'en perds en français, l'Omelinde, du coup, qui nous présentera le ATV Trad Live Around the Verse, bien sûr, toujours en compagnie des équipes de la Trad Team. Le vendredi, en temps normal, du côté de Star Pirate News, c'est le piratage de la chaîne, où un vidéaste prend possession de la chaîne en stream directement, pour venir faire un petit coucou. Et le samedi, c'est le rendez-vous des citoyens. Mais pas cette semaine. Car du 23 au 30 novembre, vous le savez, les ventes anniversaires vont démarrer du côté de Star Citizen et donc sur le site robertspaceindustries.com. Et comme on vous l'a indiqué un petit peu plus tôt en début d'émission, on le rappelle en effet, chaque jour de la semaine verra une marque mise à l'honneur pendant la période de Free Fly, probablement également pendant la période de mise en vente, mais ça on le découvrira tous ensemble. En tout cas, de notre côté, Star Pirate News, StarCitizen.fr et la Trad Team font un joli petit mouvement de concert, puisque chaque soir, vous aurez une émission par soir où on traduira la vidéo de la journée, bien sûr, s'il y en a, et où on parlera avec les équipes de SPN ainsi qu'un invité de la marque du jour, et où on sera là également pour accompagner les joueurs dans la découverte et dans la vente anniversaire. Donc n'hésitez pas, chaque soir, de vendredi à vendredi, du 23 au 30, à 21h environ, parce qu'on est quand même chez SPN, il faut pas déconner, hein. Je vais me faire c'est pas une science exacte. Voilà. De toute façon, le temps n'est pas une science exacte. Voilà. De toute exactement. Façon, bien sûr. Ça bouge tout le temps aussi. Exactement. Et puis, selon comment on est tourné, ça change tout. Non, attends, c'est pas ça. Bref. Si, ça marche aussi. Oui, ça marche. 6 6 6 Sans doute 6. Allez, plus que 6 abonnés. 6 Il nous en manque plus que 6. Vous avez encore 5 minutes. Non. À raison d'un abonné par minute, on peut le faire. Bref. Le rendez-vous est pris. On compte sur vous pour être là, pour passer un bon petit moment en notre compagnie. Et pitié, parce que c'est moi qui ouvre le vendredi soir, donc je vais juste me chier dessus, sachez-le. Si vous voulez voir Kiro se chier dessus en direct, c'est deux à 30 000 km/s. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tenté ça. Quand on y pense, les streams qui a un viewer ou 3 000 viewers, tu fais la même chose dans oui, un bah sens. Oui, hein. Oui, complètement, oui. Complètement. Donc bon, il n'y a pas foncièrement à stresser. Oh, moi, en général, je stresse juste parce que j'aime les choses bien faites, en fait. Et que quand j'ai l'impression que ça vient de moi, c'est jamais bien fait. Mais ça, c'est encore une autre histoire. À ça, combien d'abonnés sommes-nous? Il manque 6. Toujours 6. Écoute, moi, je vais continuer à insister sur deux ou trois petites choses. Je vais relancer un petit peu un truc, c'est le Tipeee de la Trad Team. Ouais. Parce qu'on n'en parle plus depuis un petit temps. Parce qu'on a eu la Pariver, c'est que voilà, on veut pas être indécent, mais voilà, sachez que par rapport au Tipeee de la Trad Team à l'heure actuelle, alors il a pas été mis à jour parce qu'il n'y a plus voilà, on n'a pas eu le temps, mais il devrait être mis à jour incessamment sous peu. Voilà, il faudra que ce soit fait parce que donc les traducteurs ne sont plus rémunérés à l'heure actuelle. Tout l'argent qui est récolté par le Tipeee sert uniquement au giveaway qu'on organise, donc on en a organisé ben, en prévision la Pariverse, on en avait aussi fait pour la Gamescom, pardon. Mm-hmm. On avait fait un marathon, on va probablement faire gagner des vaisseaux et des giveaways en plus dans les semaines à venir, hein, pour les fêtes de fin d'année, en général on essaie de faire quelque chose aussi. Voilà, donc tout ça, plus ben, tout le reste, la Pariverse aussi, qu'on investit dans la Pariverse au fur et à mesure, dans les décors et tout, ben, tout cela. Le Tipeee de la Trad Team, c'est un petit peu ce qui nous aide à l'heure actuelle. Donc voilà, pour le moment, avec tout ce qui s'est passé, la Pariverse, on n'en a plus fait beaucoup de publicité. Donc là, on essaie de relancer un tout petit peu. Pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Voilà. Sachant que nous ne prenons rien, hein, je le dis, je le rappelle, c'est pas pour nous, c'est pour. Tout est redistribué dans la communauté, tout repart sur les,
les différents magasins RSI. C'est uniquement des choses qui sont offertes à la communauté. Voilà. Donc, ce que vous n'utilisez pas dans la vente anniversaire, balancez-le à la Trap Team. C'est ça, un peu de choses près. C'est en effet une bonne chose. Un peu de choses près. Autre chose également que j'aimerais bien mettre en avant, c'est... 5. Yeah, allez. 5, voilà. C'est bon, on va y arriver. On va peut-être même pousser un petit peu. Autre chose que j'aimerais bien donc mettre en avant, parce que on avait fait une grosse mise en avant à l'époque, mais ça c'est un petit peu oublié, c'est le guide du débutant qu'on avait traduit. Oui. Que je vais vous linker tout de suite. Voilà qui est fait. Le guide du débutant, sachez qu'il n'est plus complètement à jour. Je dois travailler sur la traduction de la mise à jour pour la 3.3.5. Et donc, sachez que ça, c'est un excellent guide qui est très, très bien foutu, qui prend en compte toute une série de cas particuliers, qui explique toute une série de choses. Et surtout, il est personnalisable. Donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez ou bien choisir de le diffuser comme ça, blanc comme il est. Mais vous pouvez aussi, si vous scrollez tout en bas, vous allez voir que vous pouvez indiquer si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez une chaîne Twitch, bref, les réseaux sociaux. Et vous pouvez du coup partager une version de ce guide, mais qui avec tous vos codes parrainage personnels et avec en plus les moyens de vous trouver sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est pour les créateurs de contenu, ça leur permet de faire leur pub, de mettre en avant leur code de parrainage, mais pas bêtement, tiens, utilise mon code de parrainage, mais t'es gentil, j'ai eu ce que je voulais, t'as eu ce que tu voulais, maintenant pour les explications, tu te débrouilles. C'est vraiment, ça permet de donner à l'autre toutes les explications dont il a besoin pour savoir quel pack il doit utiliser, quelle est la différence entre les starter packs, pourquoi prendre Squadron 42 en plus, à quel prix, etc. etc. Bref, ça explique toute une série d'informations de base que tout le monde devrait avoir au lieu d'acheter leur truc sur un coup de tête et puis de râler sur CIG. Donc, voilà, c'est vraiment un lien qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine d'être distribué, qui vaut la peine d'être utilisé. Donc n'hésitez pas à utiliser-le, personnalisé ou pas, utilisez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et vous savez quoi? Je vous en parlais tout à l'heure, plus que 4 abonnés. On va pousser un peu le temps, hein, parce que si on peut finir sur ça, ce sera juste parfait. Il faut. Voilà. Mais je vous en parlais tout à l'heure. On a 3 bons petits lutins de la Trap Team que je suis obligé de citer. Olf, Yuryu pour la traduction et Maelstrom pour la relecture ont défoncé la patch note 3.3.5G. Voilà. D'accord. Traduction faite. G. Travail effectué. Donc, autant vous dire que ça paraîtra potentiellement incessamment sous peu. Sous peu. Oui, à mon avis, oui. On va publier ça. Je vais publier ça ce soir. Voilà. Il y a de fortes chances en effet. À partir du moment où, genre, le 23 ou avant le 23, on va passer sur live, il y aura une autre patch note à traduire, ça va s'enchaîner. Ça va pas être la même limonade, on est quand même bien d'accord. Deux. Allez, plus que deux abonnés. J'ai l'impression qu'il y en a, ils attendent le 1 pour être le 20 millième, tu vois. Le 20 millième. C'est 20 000, alors, je vais en prendre 10 d'un coup. Voilà. J'ai vu suffisamment de stream. Ouais, on atteint les 100 000, ouais, on atteint les 1 million. Où tu vois que dès que ça passe le palier, d'un coup, il y a 1000 personnes qui s'abonnent, étrangement. C'est comme s'ils attendaient. Incroyable. Ça serait pas franchement étonnant, pour le coup. Sauf que le truc, c'est que les gens, ils gagnent quelque chose, ou ils peuvent gagner quelque chose dès qu'on passe les 20 000. Pas en étant le 20 millième. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai. Non, mais où? Et du coup, qui sait qui va préparer le giveaway, potentiellement? Allez, je prends le temps de préparer, peut-être que ça va vous motiver. Ah bah tiens, en plus, le programme de giveaway me demande une mise à jour. Fais ta mise à jour. Plus que un abonné. Plus que un. Allez. Ce 19 999, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. C'est clair. C'est beau. D'ailleurs, on compte sur toi pour faire péter le champagne dès que t'auras atteint les 20 000. Bah, tu feras péter le coca. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Oh, mais c'est... Putain, ce coca du pauvre, quoi. Complètement. Bah, mais le coca, ça hydrate moyen, hein. Mais non, ça hydrate à peu près autant que l'eau, c'est juste qu'il y a beaucoup de sucre, donc ça donne soif en fait. C'est pas une bonne idée, parce que ça donne la pâteuse et tout. Ah oui. Ah merde, oh, putain, t'en as perdu un, dis donc. Et oui. Voilà. Tu vois, il y a quelqu'un qui a feinté.
Tu vois, tu dis que t'as pas de coca, c'est non, c'est fini. Ouais, c'est, voilà, fini. C'est... Un. Allez. Ah. Allez. Ça, c'est quelqu'un qui s'amuse à s'abonner, désabonner, je parie. Ah bah bravo. Le mec qui clignote, quoi. Bravo, les gens. C'est malin. Bravo, le veau. Hop, je vais me contenter d'intégrer directement, du coup. Bon, en plus, j'ai tweeté, hein, donc je peux pas faire plus que ça, là. Moi, j'ai retweeté, en plus, donc... Zéro. Zéro ? Ah bah voilà. Zéro. Eh bah, c'est parfait. Eh bah, un gros GG, bon, monsieur Dayum, pour les 20 000. Hein. Bah, merci bien. Tu pourrais, je sais pas, moi, éteindre, allumer ta lumière, faire comme s'il y avait un gâteau d'anniversaire. Le bouton, il est là-bas, j'ai pas la longueur d'écouteur. Ah, écoute, c'est pas la taille qui compte. 2001, même, enfin 20001. 20001, l'Odyssée de l'espace, c'est très bien. Ah, je fais l'affaire. Ouais, bah écoute. Ça aurait été 20001. On avait dit les 20001. Eh. On avait dit les 20001. Voilà. En effet, on peut pousser le vice. C'est tu les as ? Oui, 20001. 20001, c'est là. Eh ben, c'est parfait tout ça. C'est fait. Donc, c'est du coup, parfait, comme dit, on va mettre un petit giveaway sympathique, improvisé. Vu qu'il me restait où est-ce que c'est ? Un goodie pack, c'est ça, un CitizenCon Digital goodie pack qui vous donnera le l'arme et le trophée de la CitizenCon de 1948. Voilà. Si ça, c'est pas la classe, sans déconner. Voilà, et ben, vous savez quoi ? Le programme de giveaway est prêt de mon côté. D'ailleurs, est-ce que tu ne choisirais pas le mot-clé pour le chat ? Ah oui, le mot-clé, s'il te plaît. Important. Le mot-clé ? Ouais. Ça y est, il est désarroi, cette pression. C'est le film. Ce suspense. sur le festival, cette pression, s'il te plaît. LOL. Oh, c'est sale. Bah, tu sais quoi, on va l'écrire L-A-U-L-E pour la peine. Voilà. LOL. Eh bien, c'est officiel, c'est parti les gens. Point d'exclamation L-A-U-L-E, LOL, pour entrer dans ce giveaway afin d'obtenir le digital bag de la CitizenCon 1948. Voilà, vous l'avez mérité, vous avez été efficace, hein, clairement efficace pour avoir les 20 001. Par contre, vous désabonnez pas dès que vous avez fini le truc. Ouais, non, c'est pas très sympa, sinon. Ça, c'est pas gentil. Hop. Allez, on compte sur vous. On laisse jusqu'à 15. Et à 15, on fait le giveaway. Ouais, allez. Allez, ça me semble bien. On va voir. On a combien de personnes, là, présentes sur place ? Là, on a 50 personnes, à peu près. Et alors, je précise, pour ceux qui éventuellement regardent ça sur le biais de YouTube, malheureusement, le système de giveaway ne fonctionne que par le biais du chat Twitch. Oui. Donc, je vous encourage vivement à aller sur Twitch. Je vois 52 personnes présentes du côté de YouTube... De Twitch, du coup. Oui. Et sur YouTube, il y a combien de personnes ? Je regarde jamais, ça tout de suite. Honteux. Honte sur moi. C'est mort, Quincy. Hop. Je le reprécise parce que je vois qu'il y a le tapis par ici. Ça ne fonctionne que sur Twitch. On a 18 spectateurs du côté de YouTube. D'accord. Donc, pas trop mal, pas trop mal. Au bas mot, 70 personnes. Allez. Bourrez-moi le point d'exclamation LOL. Ça va louler. Alors, ça, vous pouvez le clipper. Hein. Bourrez-moi le point d'exclamation LOL. Non, non, strictement pas. Ah oui, bourre-moi le point d'exclamation. Bourre-moi le LOL. Avant, arrière, croix rond, croix rond. Enfin, croix carré, rond et triangle. En plein trad live. Je vais même mettre un petit tweet par rapport à ça, moi, tiens. Dayum. Alors, effectivement, Dayum, tu dois enlever un vêtement. On a atteint les 20001. Eh oui. J'ai pas vu ce que t'as enlevé, ce que t'as jeté nonchalamment derrière toi. Ça n'était pas très clair. On ne t'entend pas, Dayum. Mais Ça devait être une chaussette, j'imagine. Ouais, c'est une chaussette. Mais quelle idée. Mais parce que si t'arrives à retirer ton slip aussi vite que ça, je vois que je dis bravo. J'ai des compétences. Je vais à 30 000. Moi, je dis champion. Tu dis des choses bizarres devant les Calling Gold Dev, toi. Et je disais, il y a un truc qui m'embête, c'est que sur Reddit, il y a un gros spoil pour un truc du futur. J'ai envie d'en parler, mais je peux pas. Ah. J'ai envie de partager ma hype. Ah.
On va éviter les spoils. On va éviter les spoils. Ouais. Par contre, alors, tweet-le, quoi. Alors, on gagne quoi? On gagne le Digital Goodie Pack qui avait été mis en place par CIG pour la CitizenCon. Et donc, ça inclut le trophée ainsi que l'arme qui a été créée, donc le couteau qui a été créé en direct. Mais aussi, j'avais oublié ça, le Duster Jacket, donc la veste, une espèce de gros imperméable, un trench coat, c'est ça. Voilà. Donc c'est trois éléments en jeu. Voilà, voilà. Autant dire la grande classe. Allez, plus qu'une petite minute. Nous sommes à combien? Nous sommes à 26 participants pour le giveaway. C'est plutôt bien. C'est plutôt honorable. C'est plutôt sympathique. Oui, 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 c'est 50% des gens. Donc, c'est ça. Après, il y a probablement des gens qui n'ont pas encore le jeu. Il y a probablement des gens qui ont déjà le goodie pack, vu que tous les abonnés et tous les concierges avaient automatiquement le goodie pack. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai deux fois. Du coup, parce que je suis abonné et concierge. Donc, je l'ai reçu deux fois. Et ouais. Oh là là. L'accumule les cadeaux. Oui, ben en fait, alors le concierge, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la Trad Team en l'occurrence. vu que tous les vaisseaux achetés par la Trad Team. Et oui, ça passe par moi, fatalement. Ça passe par mon compte. Ouais, oui, oui, oui. Et il est 23h15, nous sommes à 26 personnes. Bon, Dayoum, est-ce qu'on lance? Allez. Allez. Rock'n'roll, c'est parti pour le giveaway en espérant que le son ne nous défonce pas trop les oreilles. Ouais, on est à 50%. Ok, ça va. Et si tu veux un coca dédicacé, Kencho, il faut venir à la prochaine Fariverse et acheter plein de tickets de tombola. C'est ça. Voilà, un des prix, ce sera une canette de coca vide dédicacée par moi. Vide en plus? Ah oui, comme ça on a ton ADN, c'est parfait. Voilà. Ou pleine, mais ce sera plus cher. Oh là, oh. Oh. Eh ben GG Tsukiyo. Tsukiyo, ah bah bravo. Un gros GG, on va lancer l'animation. Du coup, il faut rager. Yep, tu as 45 secondes, donc du coup, avec le timer pour taper quelque chose dans le chat afin de claim ton giveaway. You can do it. Allez. Faut taper un petit quelque chose. Avec une musique de ouf. Eh, c'est bon. Yes, ben voilà. Du coup, Tsukiyo, tu peux me faire un petit MP, du coup, avec ton handle et ton adresse mail, je crois que c'est ça. Avec, voilà, le handle et... avec le, alors, éventuellement, le handle de madame, enfin bref. Ouais. De la personne à qui tu veux le faire gagner. Il me faut un mail et un handle, c'est tout ce que je demande. Et donc, c'était un joli soufflage de bougie pour les 20 000 et 1. Voilà. C'est ça. Et ouais. La grande, grande classe. Sachant qu'on est à quelques jours de l'anniversaire de ma première vidéo SC, qui est sortie le 25 novembre, si je ne m'abuse. Oui, complètement. Je vais vérifier ça tout complètement. Ah, là aussi, il va falloir préparer quelque chose pour ça, mon grand. Star Citizen présentation, c'est sorti le 25 novembre 2016. Ça va être, je sais compter, 2 ans. Oui, t'as 2 ans. Oui, t'as 2 ans. Je sais compter. Ouais, le 25, c'est mes 2 ans. Et ça colle avec quel jour de la vente anniversaire? Le combien t'as dit? Le 25. Non, c'est pas MISC le 25. C'est qui le 25? Alors, tombé si bien pourtant. Tu m'as dit quel jour? Le 25. Le 24, c'est RSI. Ah, c'est le 29, MISC. Dommage, ça colle pas. Ça aurait pu être super drôle. Bouge pas, je vais aller voir ça tout de suite. Ça va être très rapide. Alors, tac. Le 25, c'est Origin Jumpworks, désolé. Ça colle pas, dommage. Une prochaine fois. Et oui, il y a quelques jours des 2 ans, quoi. Ouais. Et du coup, Kencho, qui nous dit que c'est très gentil de notre part, mais écoute, en fait, non, c'est même pas spécialement gentil de notre part, c'est gentil de la part des gens qui nous font confiance. C'est ça. Comme on disait plus tôt, on a un Tipeee, et que c'est ce que les gens nous donnent sur qui permet de financer toutes les petites actions et ce qu'on essaie de faire pour animer la communauté, faire plaisir aux gens, mettre en avant les créateurs de contenu, faire des cadeaux en fait. On fait nous sommes un trust fund. Nous gérons la fortune que les gens nous... Ah, merci Roxy, nous aussi on t'aime.
Putain, comment elle est jalouse, parce que pour une fois, c'est pas elle qui est dans l'émission, quoi. Complètement. Complètement, mais elle passera à la prochaine, de toute façon. Oui, exactement. Bref, c'est sur ces jolis mots que nous allons probablement nous quitter, mes chers amours. Eh oui, il faut sur bien. Sur ce voilà. beau moment, merci encore à vous, clairement, pour votre confiance et pour Dayou. Ça fait plaisir. Eh bien. De manière complète, de manière folle, de manière totale, ce que je dis n'a strictement aucun sens. Voilà, on se retrouvera de toute façon très bientôt. On n'oublie pas le programme. Vous le rappellerez peut-être encore une fois, mais sur le biais des réseaux sociaux, parce que sinon on n'a pas fini avant une demi-heure, hein, je vous le dis honnêtement. Mais bref, on vous fait de très 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 gros poutous. Faites pas les fous, faites pas les folles, prenez soin du rock and roll, comme dirait Franck Guillaume. Dayoum, le mot de la fin. Le mot de la fin. Kilo. Très bien. Ok, pourquoi pas. Ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde, bonne soirée. Chou. Salut.